Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les Hautes-Pyrénées pour vivre la quatrième et dernière étape de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Après trois étapes totalement folles dominées par la formation IF Education Tipco SVB et notamment Christa de Bellicock, on va vivre encore un spectacle et pas mal de belles choses aujourd'hui autour de Lourdes. Et on va les vivre comme depuis vendredi aux côtés de Jennifer Letuet. Bonjour Jennifer. Bonjour Antoine, bonjour à tous. C'est le soleil et c'est la chaleur qui accompagne les concurrentes qui viennent de s'élancer il y a quelques instants de Lourdes. Il y a encore un petit peu de monde, mais elles ne sont plus si nombreuses que ça. 84 concurrentes qui ont pris le départ. Finalement, on n'a perdu qu'une dizaine de concurrentes. Quand on voyait le profil avant de débuter cette épreuve, on se disait que ça aurait pu faire encore plus de dégâts. Oui, c'est sûr. Après, il y a eu des écarts qui ont été quand même assez significatifs hier. Maintenant, on va dire que les meilleurs se sont joués la gagne, mais derrière, voilà, ça ne s'est pas reposé pour finir tranquillement. Au contraire, hein, on voit qu'il y a eu des filles qui se sont un peu impliquées pour être sûres de rentrer dans les délais. Hier samedi, c'était l'étape reine de cette première édition du rendez-vous cycliste des Pyrénées pour les féminines avec l'arrivée en haut du col du Soulor. Et c'est vrai qu'on évoquait des délais qui étaient jusqu'à une heure. Hein. Il y avait une heure de délai. Et la dernière concurrente, qui est l'italienne Irene Affolati, termine à 39 minutes. Donc finalement, il y avait quand même pas mal de marge. Non, il y avait pas mal de marge. Je pense que les organisatrices avaient prévu aussi de pouvoir tout simplement avoir tout le monde à la fin de l'étape et c'est pas plus mal non plus. Vous apercevez un peloton groupé désormais dans le départ fictif, le départ réel qui va être donné dans quelques instants pour cette quatrième et dernière étape, je le disais, autour de Lourdes. Pour faire simple, eh bien, nous allons avoir deux grandes boucles à effectuer. Il y aura juste une petite différence pour la première boucle où on descendra un petit peu plus au sud de Lourdes pour retrouver des routes que les concurrentes ont empruntées hier. Mais en règle générale, voilà, la plupart du circuit va se passer sur la partie est de Lourdes, sur la partie sud-est. On va être tout près finalement de Bagnères de Bigorre à certains moments où il y aura notamment pas mal de classements grimpeurs. Certes, l'étape n'est pas aussi difficile qu'hier, mais on va retrouver à peu près un profil similaire à la deuxième étape, celle de Pau que l'on a vécue vendredi après-midi. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a quatre grimpeurs donc, qui vont être escaladés en fait, deux fois chacun. Donc, dans l'idée, on est sur des côtes quand même, pour la première en tout cas, qui est quasiment à 6 km. Donc ça reste quand même des bosses assez longues pour la côte de Nol. Et on a du coup le petit Aspin qui lui est sur du 4,5 mais avec un pourcentage maximum quand même à 10%. Ça va pouvoir faire quelques dégâts tout à l'heure. Et puis il y a un paramètre qu'on va prendre en compte aussi, c'est la fatigue accumulée. Alors vous me direz, oui, c'est seulement entre guillemets le troisième jour de course, la quatrième étape. Mais on rappelle qu'il y a des femmes dans ce peloton qui ont enchaîné avec le Tour d'Italie, le Tour de France. On entendait tout à l'heure Coralie Demey sur la présentation des équipes répondre aux questions de Michel Gélisé, le speaker officiel de l'épreuve, qui disait, bah moi la cinquième place au classement général, ça me va bien. Et j'espère la conserver, mais on ne sait pas où on en est de la fatigue aussi, et c'est ça aussi le facteur peut-être qu'il faudra prendre en compte. Oui, c'est ça, et puis on sait quand même que la première journée, il y a eu deux courses. Hier, c'était quand même assez difficile, on a vu des visages très marqués hier à l'arrivée au sommet du Soulor. Donc on sent tout de suite que certaines filles sont très fatiguées, même sur le départ, on voit quand même un petit peu moins de sourire que sur la première étape vendredi. Coralie Demey dont je vous parlais, qui est la première française du classement général, qui pointe à la 5e place à 4 minutes et 22 secondes. On a une autre française qui a fait son apparition dans le top 10 de cette épreuve, c'est Morgane Coston, la concurrente de l'équipe Arkea Pro Cycling Team, qui est pointée en 9e place avec un retard de 7 minutes et 30 secondes. Pour faire simple, Jennifer, on a du mal à imaginer quelqu'un, une concurrente détrônée, Christa de Bellicock, qui a remporté avec son équipe IF Education Tipco SVB la première étape, qui était le contre-la-montre par équipe, la deuxième étape dans les rues de Pau. Elle s'impose hier au col du Soulor et ça fait qu'elle a une avance d'une minute et 5 secondes sur la japonaise Eri Yonami dans ce qui concerne, on le disait, la formation Human Power Hills, la deuxième
formation de l'UCI Women's World Tour. Mais par contre, derrière, pour les deuxième et troisième places, on a trois filles qui sont à moins de 35 secondes. Et c'est peut-être là la bataille qui va nous intéresser cet après-midi ou en cette fin de matinée. Oui, hier, Eri Yunamin nous expliquait à la fin de l'étape qu'effectivement, elle espérait pouvoir conserver cette deuxième place. Derrière, ça pousse quand même assez fort, hein. On a vu une Greta Marturano assez poussif sur l'étape d'hier, même si sur le final, elle a un petit peu craqué. Mais je pense qu'on va avoir de la bataille justement pour savoir qui montera finalement sur les deux autres marches du podium. C'est peut-être aussi l'occasion pour des équipes que l'on a moins vues de s'illustrer. C'est forcément l'occasion puisque c'est la dernière chance aujourd'hui. Oui, et puis on est quand même sur un parcours qui est encore assez sélectif aujourd'hui. Donc il y a des possibilités. Maintenant, c'est un petit peu l'équipe phare avec l'équipe IF qui va décider aujourd'hui si ça va se jouer encore entre costauds ou au contraire si on laisse sortir une échappée aujourd'hui. On a vu qu'ils n'ont jusque-là, les femmes de cette formation n'ont pas voulu en laisser à n'importe qui. Hein. Elles ont voulu dominer, garder tout. Elles ont remporté les trois étapes. On a du mal à imaginer que dans cet état d'esprit, on laisse sortir une échappée sans être représentée pour aller chercher la dernière étape aujourd'hui. Oui, et puis on les a vues courir déjà depuis deux jours. Elles ne sont pas dans une optique de courir en protégeant le maillot vraiment tout ensemble. Il y a souvent une fille à l'avant ou alors l'équipe est un petit peu disloquée finalement dans le peloton. Donc peut-être qu'elles n'arrivent pas énormément à frotter, on ne sait pas trop encore. Par contre, dès que ça s'élève, on voit tout de suite qu'il y en a deux qui sont au-dessus du lot. Voilà pour un petit peu le point sur ce qui s'est passé sur ces premières étapes. Vous voyez le peloton qui occupe toute la largeur de la route avec une allure assez rapide amenée notamment par la formation française Saint-Michel-Aubert 93 avec les maillots orange que l'on a aperçu en tête de peloton. On apercevait aussi le Stade Rochelet Charente-Maritime alors que vous apercevez donc à l'instant le maillot blanc et rose, blanc et rouge même pour être tout à fait précis des maillots des sprints, l'italienne Silvia Zanardi, la bonne échappée vendredi après-midi sur l'étape paloise, c'est elle qui a amené le peloton, hier elle s'est retrouvée en tête, elle était présente dans tous les rendez-vous, il lui a manqué un petit peu de jus, un petit peu de punch peut-être, mais c'est très clairement l'une des actrices hein, de l'étape d'hier. Oui, cette équipe Bipping, elle s'est fait littéralement piéger sur la deuxième étape. Donc elle voulait absolument, sur l'étape phare de ce tour, être un petit peu plus actrice du parcours. Et hier, voilà, elle nous a montré qu'elle était dans de bonnes dispositions. Je pense qu'aujourd'hui, on va les revoir de nouveau à l'attaque, surtout pour consolider aussi son maillot. Ces formations un petit peu piégées que vous apercevez dans les premières positions, la formation du Stade Rochelet-Charente-Maritime, l'autre formation française, on rappelle, il y en a trois. Avec l'équipe Arkea, vous l'apercevez d'ailleurs le maillot de l'équipe Arkea sur la gauche de la route et cette formation IF Education Tipco SVB qui fait son apparition pour la première fois en tête de ce peloton sur la partie droite de votre écran à gauche de la route, c'est maillot et casque rose l'équipe de la maillot jaune tout simplement qui sont en train de remonter petit à petit, ce n'est pas elle qui amène le peloton hein. C'est ces formations piégées, on apercevait également la formation au maillot noir, le team Mendelspeck que l'on retrouvait au centre de la route. Voilà pour les équipes qui sont pour l'instant au commandement donc de ce peloton. Et on rappelle Jennifer que ça devrait partir assez vite parce que contrairement à hier où on a eu deux heures un peu de phase d'observation, il n'y a pas eu grand chose, de grandes difficultés et peut-être d'attractivité en termes de sprint, de points chauds, etc. Là, il y a un point chaud au kilomètre 4,7. Ça va venir très vite maintenant. Oui, on a vu déjà les équipes que ça pouvait intéresser se placer à l'avant. Donc je pense que effectivement la course va se lancer vite. On voit que ça roule. Il y a différentes équipes comme la Bingle qui décident de vraiment se mettre en route pour ce premier point chaud de la journée. Et ça, je pense que ça va faire mal quand même à certaines filles de partir si vite. Pour l'instant, pas de lâcher en queue de peloton. On espère que ça va rester. Vous apercevez par contre en dernière position celle qui porte le maillot blanc à pois rouge, la concurrente ukrainienne de l'équipe Arkea Pro Cycling Team. C'est Yulia Biryukova que vous voyez en avant-dernière position avec le Dossard 76. On récupère aussi un petit peu peut-être des efforts d'hier. L'ukrainienne, on savait que c'était des pentes qui pouvaient lui convenir hier, mais elle n'a pas réussi à détrôner les
prétendantes au classement général qui eh bien, ont tout raflé. On aperçoit une autre concurrente, un autre maillot distinctif, c'est le maillot de meilleur jeune, le maillot rose que vous voyez eh bien, en troisième position en partant de la droite sur votre écran, un petit peu en deuxième rideau, la concurrente Ricarda Borfine qui porte habituellement le maillot de l'équipe Canyon SRAM Generation, qui fait une très belle épreuve, un deuxième de l'étape de Pau, deuxième également hier en haut. Avec l'équipe américaine IF Education Tipco SVB, mais celle qui a été sacrée championne d'Europe de relais mixte et qui a brillé sur le championnat d'Allemagne prend note aussi avec le futur quand on voit les performances qu'elle réalise malgré son jeune âge. C'est ça, puis elle est assez régulière. Hier, sur toutes les informations qu'elle a pu apporter à l'organisation, on sent qu'elle est hyper sur les tactiques de course, ce qu'elle peut faire et jusqu'où elle a envie d'aller. Donc c'est prometteur pour les années à venir. On est à l'arrière du peloton, vous le voyez, et sur la droite de votre écran, la quatrième concurrente, c'est la championne des États-Unis, Emma Langlais, qui a réalisé un gros travail. Elle est huitième du classement général, a pointé à 7 minutes et 1 seconde, et elle a été sacrée hier. Combative de l'étape, et quand on a vu le travail qu'elle a fait pour sa coéquipière Christa de Bellicoque, la maillot jaune, on se dit clairement que c'est mérité. Ah oui, on l'a vu mettre le tempo déjà d'entrée de jeu sur le premier col de la journée. Ça a basculé, elle a refait de même dans le Soulor. Il y a même un moment donné où elle a été un petit peu décramponnée. Elle s'est replacée tout de suite juste devant sa leader. Donc non, au contraire, c'est plutôt mérité et chapeau. Et la formation IF qui est une des seules formations à être encore à 6 aujourd'hui. Ça, c'est un détail qui aura son importance peut-être à certains moments. Il y a 4 formations sur 17 à avoir encore 6 concurrentes ou encore qui avaient 6 concurrentes au moment du départ. Cette formation IF Education Tipco SVB, on retrouve la formation du Centre Mondial du Cyclisme, ça c'est intéressant aussi, hein, cette formation qui regroupe plein de nationalités différentes, des nations émergentes du cyclisme, qu'ils soient féminins ou masculins, hein, on l'a vu également chez les hommes, c'est cette équipe qui avait révélé notamment Christopher Froome. Toujours est-il que la formation du Centre Mondial du Cyclisme est toujours à 6. C'est le cas aussi de l'équipe N4RBH Global. Et puis la dernière équipe à être avec 6 concurrentes au moment du départ, c'était le team Mendelspec. On occupe toute la largeur de la route, hein, pour le moment, on se pose pas de questions. Et l'équipe IF qui petit à petit va venir devant tout le monde et contrôler donc ce peloton, un peu à l'image de ce qu'on a vu hier. L'équipe IF est là, la maillot jaune n'est pas là. Oui, et c'est vrai que c'est un petit peu bis repetita, hein. On aperçoit toujours ses équipières et on a du mal à percevoir un petit peu où est la maillot jaune, hein. Mais bon, pour l'instant c'est efficace, donc il n'y a pas le feu, le peloton n'est pas non plus hyper grand, la route est quand même plutôt assez large, donc c'est possible de remonter assez facilement, mais bon, je trouve que c'est prendre quand même quelques risques s'il y a le moindre souci. Avec un peloton qui s'étire par l'arrière avec cette difficulté. On apercevait ici Léonie Benveld, la néerlandaise de cette équipe Bingo Casino Chevalmer Van Export, qui était représentée hier avec Lotte Claes, hein, qui a longtemps été dans, alors pas l'échappée, mais le groupe des favorites qui s'est disputé la victoire. Un groupe longtemps à une dizaine de concurrentes, alors que l'on a vu la remontée, hein, pour Lotte Claes au classement général. Elle est 11e. En tout cas, belle performance, alors que ça y est, elle était en dernière position il y a quelques minutes. Elle est remontée, l'Ukrainienne de la formation Arkea, Yulia Biryukova. À l'image de ce qu'elle faisait hier dans le groupe, c'est quelqu'un qui arrive à remonter très très vite. Oui, elle a l'air d'être plutôt à l'aise sur un vélo, hein. On voit tout de suite qu'elle connaît un peu les routes, hein. Je pense qu'elles sont dans la petite ascension qui est juste après finalement le point chaud. On est sur une bosse qui fait à peu près 1,5 km à 8% de moyenne, donc faut pas trop traîner non plus à l'arrière parce qu'il peut très rapidement y avoir des cassures.
Et on voit que ça commence à être dur pour quelques concurrentes, à l'image de la Bretonne ici, à Marianino, qui eh bien, était dans les dernières concurrentes à franchir la ligne hier en haut du col du Soulor. On sait que c'est pas forcément le type de profil qui l'avantage, au contraire, elle qui brille notamment sur la piste, mais elle s'accroche. On est là aussi pour eh bien, être présent et prendre de l'expérience sur ce genre de rendez-vous. Oui, et puis on n'a pas beaucoup vu encore Marianne ces dernières semaines courir, donc il faut peut-être aussi le temps de se remettre un petit peu dans l'allure pour cette fin de saison. Mais effectivement, c'est plutôt une pistarde qui est régulièrement médaillée sur les championnats de France. Championnats de France qui auront lieu du côté de hier, ce sera à la fin du mois d'août pour les prochains rendez-vous avec le cyclisme féminin. On aura la Picto-Charentaise qui approche également. On a, on le rappelle, les championnats de France de l'avenir qui vont débuter à partir de la semaine prochaine. On retrouvera certaines des espoirs que l'on a vus présents dans ce peloton pour les Françaises qui iront à Saint-Martin-de-Landelles. Alors qu'ici, nous sommes avec des concurrentes de la formation Biscaya Durango qui sont à 4 depuis hier. Hein. Sofia Rodriguez-Revert que vous voyez là, alors que ce peloton occupe toute la largeur de la route. Pas d'impression, mais vu que ça commence à s'écrémer par l'arrière, ça doit rouler un petit peu quand même. Oui, ça doit rouler un petit peu. Après, le fait d'imposer un petit rythme, finalement, les premières qui sont déjà assez fatiguées subissent déjà cette première bosse qui n'est pas répertoriée. Hein. Ça ne fait absolument pas partie du classement de la montagne. Celui-ci va arriver juste derrière, ça va redescendre et on va attaquer cette fois-ci réellement le premier grimpeur de la journée. On vous rassure, hein, il y a 4 boss répertoriés, du moins 2x2, puisque c'est les deux mêmes boss qui seront escaladés deux fois. Mais quand on est dans les Pyrénées, quand on est aux alentours de Lourdes, en plein cœur du Béarn, on se dit que ouais, il y a des boss quand même et ça va faire mal aussi pour les concurrentes. Ah oui, c'est sûr. Et puis souvent, dans ce genre de compétition, hein, vous avez les grimpeurs vraiment officiels et ceux qui ne sont pas répertoriés et qui, des fois, font peut-être même un petit peu plus mal parce qu'on s'y attendait pas. Et ça roule assez vite. Oui, parce que comme on peut le faire sur les courses de niveau amateur, certaines ont encore le petit scotch avec les grimpeurs, mais la petite bosse pour sortir de certains villages ou les petits ponts d'autoroute à certains endroits ne sont pas forcément indiqués et c'est vrai que ça peut faire quelques dégâts. C'est ça, après maintenant, voilà, les équipes ont les tracés bien avant que la course commence, donc elles ont eu leur briefing juste avant l'étape, donc globalement elles savent qu'après le point chaud, il y a une petite bosse où il faut faire attention, potentiellement ça aurait pu être une bosse intéressante pour les filles qui auraient voulu tenter de sortir du peloton avant ce premier grimpeur. On n'a pas parlé beaucoup du vent, Jennifer, encore. On a parlé du temps, une température qui va avoisiner les 30 degrés aujourd'hui. Un vent peut-être un petit peu plus fort pour les concurrentes aujourd'hui, mais qui pour l'instant serait un vent qui vient de l'arrière, un vent de dos pour les concurrentes. Oui, on voit, on a vu quelques drapeaux, ça pousse pas non plus énormément pour l'instant. Alors peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, ça va commencer à se lever un petit peu. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça va pas être l'un des aspects qui peut faire la différence sur le parcours. Si vous nous rejoignez sur Sport en France pour vivre la première édition du CIC, petit problème mécanique à l'instant ici pour une des concurrentes de l'équipe Enicat RBH Global. On était sûrement avec Alessia Bulleri qui va repartir. On a vu remettre sa chaîne, pas de souci en tout cas pour la concurrente qui est repartie sans problème. On va la raccompagner jusque dans le peloton. Avec la file des voitures, il y en a 17 en ce qui concerne les équipes, puisque 17 formations sont représentées. On est rentré, pas de souci pour la concurrente. Je vous disais, si vous venez de nous rejoindre pour vivre cette quatrième et dernière étape du CIC Tour Féminin International des Pyrénées, eh bien la maillot jaune est en troisième position, celle qui domine l'épreuve, Christa de Bellicock. Vous la voyez donc en troisième position. C'est elle qui a amené le peloton au centre tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais faire cette petite recontextualisation. Voilà, vous présenter la leader qui a remporté les trois premières étapes. La première étape, c'était un contre-la-montre par équipe. Elle portait le maillot rose là de la formation IF que vous avez au devant de votre écran. Et on profite actuellement de cette descente qui va nous amener maintenant, hein, Jennifer, vers le premier grimpeur de la journée a priori. Oui, et le premier grimpeur de la journée, hein, c'est une bosse qui fait déjà à 5 km 700.
Donc c'est une bosse qui va faire mal aux concurrentes. Hein. On est sur un pourcentage maximum quand même à 12. Donc plus finalement que le col du Soulor sur certains passages hier. Mais moins long. Mais moins long, effectivement. La partie descendante, le quart d'heure de course qui vient d'être passé. Alors on vous rappelle, c'est vrai qu'on a pris le départ un petit, le direct un petit peu plus tôt que d'habitude. Le départ aussi a été un peu plus matinal, tout simplement parce que les concurrentes vont terminer à 14h pour permettre aux équipes de rentrer pas trop tard, d'éviter d'avoir bien trop de route. Donc ne venez pas en direct avec nous à 15h30, hein, restez avec nous parce que l'arrivée sera déjà passée, contrairement à d'habitude, l'arrivée aux alentours donc des 14h si vous voulez connaître le dénouement de cette première édition du CIC, Tour Féminin International des Pyrénées. En tout cas, on pourra dire, on fera le bilan tout à l'heure bien sûr, mais là, vu ce qu'on a vu sportivement, en tout cas sur les trois premières étapes, c'est une belle réussite et ça on le sent hein, du côté des paddocks quand on est le matin au départ, du côté de l'ensemble des équipes et des filles, on est content, hein, on est contente de cette organisation. Oui, c'est vrai que sur les premières étapes, souvent c'est une petite découverte hein, quand on a un tour qui s'ouvre pour la première fois. Mais globalement, non, sportivement, on a eu des belles étapes. L'étape d'hier était une première et honnêtement, c'est un beau succès sportif, mais aussi au niveau de l'organisation, tout s'est plutôt bien passé. Donc c'est une première édition qui est pour le moment une réussite. On aperçoit quelques formations remontées au fur et à mesure. Notamment celle du stade Rochelet-Charente-Maritime avec la couleur jaune sur le casque et sur le haut des épaules et le reste du maillot qui est noir. On n'a qu'une formation hein, finalement qui a réussi à s'intercaler dans le train de la formation IF Education Tipco SVB. Équipes, là c'est finalement pas les équipes du classement général que l'on aperçoit, mis à part l'équipe de la leader qui fait son travail forcément d'emmener le peloton, c'est son rôle. On a du mal à imaginer que l'équipe IF ne peut être présente à ce moment-là. C'est elle qui domine toute la course depuis la première étape. Son rôle, c'est d'être là. Maintenant, l'équipe de notre meilleur jeune, troisième du classement général, Ricarda Borfagne, Canyon. Chaîne n'a plus que trois concurrentes, donc deux autres équipières pour la maillot rose. L'équipe Human Power Hills est un petit peu plus loin, encore perdu du temps pour le classement général avec Eri Yonamine. Pour l'instant, ces filles ne sont pas présentes, mais on retrouve bien se placer dans l'échappée, notamment avec l'équipe Saint-Michel Aubert 93 que vous voyez ici avec les maillots orange. Coralie Demey certes est placée à une cinquième place au classement général, mais on évoquait le retard pour la native Delvin qui était à plus de 4 minutes et 22 secondes, donc forcément ça paraît très très loin et compliqué d'imaginer autre chose, et on peut pourquoi pas aller chercher, essayer d'aller chercher une échappée qui pourrait être la bonne échappée et se partager la victoire d'étape. On aperçoit également l'équipe Arkea Pro Cycling Team. Voilà les formations que l'on retrouve actuellement dans les premières positions. Et on parle beaucoup de Coralie Demey dans cette équipe Saint-Michel Aubert 93. Mais on va aussi parler, nous, du petit coup de cœur que l'on a eu hier d'une certaine Camille Failly, Jennifer. Oui, Camille Failly, donc on en a parlé déjà un petit peu en début de tour. Donc stagiaire au sein tout simplement de l'équipe de Coralie Demey, qui nous a fait une très très belle étape hier, qui finalement s'est retrouvée je crois qu'elle fait 20e. 20e de l'étape. 20e de l'étape hier, et qui se retrouve maintenant 21e du classement général pour sa première course à ce niveau-là. C'est quand même une belle performance et c'est à souligner, hein, elle n'a pas encore l'expérience de ce genre de course. Encore moins, je suppose, sur des courses à étapes de 3 jours. Donc, c'est quelque chose qui montre qu'il y a un potentiel assez intéressant sur Camille Failly. Et on risque de la revoir, je l'espère, en tout cas, dans des prochaines compétitions d'ici la fin de l'année. Une des toutes jeunes, hein, bien sûr, de ce peloton qui avait mal débuté son tour. On rappelle, hein, sur la première étape, le contre-la-montre par équipe, victime d'un souci
mécanique, obligé de changer de vélo et donc de prendre un vélo de route. Camille Failly qui eh bien, court avec le maillot de l'UVC 3 femmes tout au long de l'année en termes général pour la jeune de 19 ans qui avait pris l'année dernière les championnats de France. En tout cas, une concurrente à surveiller. On parle féminin français aussi par. On a du premier femme. Quel plus en plus. Là aussi de. Peut-être sur ce jeu-là, moi je trouve que c'est bon sens. Exactement. En plus, c'est. Montagne en France proposée pour le peloton international, c'est ce CIC Tour Féminin International des Pyrénées, première édition qui en appelle d'autres, on l'a compris, avec l'aide notamment du CIC qui s'associe pendant 3 ans hein, à l'épreuve. C'est le cas aussi des partenaires comme des villes, on l'a dit avec la ville de Pau notamment hier, enfin, vendredi, la localité de départ hier également qui appelle avec l'avenir. On imagine aussi le col du Soulor qui pourrait devenir une étape mythique, et puis Lourdes qui avait demandé absolument à avoir une épreuve. On sait que la ville de Lourdes a cet aspect religieux, beaucoup de monde pendant l'été hein, pour aller tout simplement au sanctuaire. À Lourdes, c'est affolant, nous on y vit pour tout vous dire depuis quelques jours pendant cette épreuve du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Il y a du monde toute la journée, le matin, le midi, le soir, même tard le soir, il y a du monde tout le temps dans cette ville qui aime aussi le vélo. On a eu un départ d'une étape du Tour de France il y a quelques semaines, je crois que c'était le 21 juillet dernier, avec cette arrivée à Otakam. Donc on aime le vélo masculin et aussi féminin, pourquoi pas Lourdes, ville départ du Tour de France femmes l'année prochaine, alors que vous apercevez, ça y est, les premières images de l'hélicoptère qui va nous accompagner tout au long de la journée, et on découvre ces portions de montagne boisées aussi et qui font du bien aux filles, parce qu'on l'a dit, la chaleur est là, et comme hier dans le col, même si on avait pas mal d'air, on va être content de trouver des parties ombragées tout au long de la journée. Oui, parce que forcément, sans vent, hein, on ressent encore un petit peu plus la chaleur, surtout quand on arrive dans des bosses où il y a un petit peu de dénivelé, bah forcément, vous avez besoin de souffler un peu. Donc, toutes ces parties un petit peu à l'ombre vont permettre aux filles justement de pouvoir redescendre un petit peu plus facilement en température. On a eu un petit premier mouvement, alors je ne sais pas si c'est un mouvement de panique, mais on a vu en tout cas une première cassure il y a quelques minutes dans le peloton. Ça y est, c'est revenu dans l'ordre, un peloton a priori groupé pour l'instant. Bon, on voit beaucoup quand même l'équipe de Coralie Demel à replacer. Hein. Je n'ai pas encore aperçu Camille Failly, hein, parce qu'elles sont deux maintenant dans le top 21, on va dire, de l'épreuve. Mais on les voit quand même se replacer assez régulièrement depuis qu'on est parti. Hein. Donc je pense qu'on n'a pas envie de se faire piéger. Et si jamais l'échappée sort, eh ben, on espère justement mettre, pourquoi pas, l'une des deux dans celle-ci. Et on va profiter de cette vision de la ligne d'arrivée où peut-être une concurrente va aller chercher, eh bien, le sans faute, 4 étapes, 4 victoires, pourquoi pas pour la maillot jaune Christa Debel-Hickok que l'on a rencontrée juste après l'arrivée hier, après sa nouvelle victoire d'étape sur ce CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Et c'est tout simplement Jade Sadmi qui l'a rencontrée après l'arrivée. Je vous propose des réactions.
Donc aujourd'hui, il y a eu une échappée, mais tu as quand même réussi à rentrer dedans. Est-ce que c'était la stratégie du jour? Today there was a breakaway that you managed to catch, but not very early in the stage. Was it the initial team strategy? Yeah, I mean, we wanted to keep everything under control, so we said if a few riders go up the road, that's okay. We know that we can bring that back if we need to. Our team's super strong, and so it was no panic the whole race. I always felt like we were completely in control. We were happy to have a few riders out there, no problem. Voilà, donc il y a pas eu vraiment de panique. Elle savait que elle devait et elle pouvait contrôler la course, donc pas de problème si certaines coureurs partaient en premier. D'ailleurs, elles ont réussi à partir aussi dans l'échappée. Du coup, on a l'impression que bah, que t'étais la plus forte. Est-ce que c'est aussi la tienne? Did you have the feeling that you were the strongest today, because the pink jersey followed you in the last kilometers? Yeah, for sure. I mean, I had the sense that, I mean, for sure my legs are tired, they were hurting some, but everyone around me seemed to be hurting a whole lot more. So yeah, it's bike racing on the, well, it's our third stage, actually second day. I mean, you're gonna feel your legs a bit, but I actually don't mind that feeling. And when I know that I'm feeling that, I know that everyone's feeling it a lot more. So I kind of take comfort in that. Voilà, donc elle savait que tout le monde avait mal aux jambes, autant qu'elle, mais elle un petit peu moins. Donc voilà, même si le maillot rose a réussi à la suivre dans la dernière attaque, elle a quand même réussi à gagner l'étape. Thank you. Thank you. La joie de Christa de Bellicoque qui est un petit peu, alors pas, je vais pas dire la découverte, mais une révélation à ce niveau, puisqu'elle brille. Je vous le disais qu'elle était 11e de l'étape de la super planche des belles filles. Elle a terminé dans le top 40 du Tour de France Femmes la semaine dernière. Mais ce serait peut-être sa première victoire sur un classement général. Table, on l'avait vu deuxième du Tour de Gila aux États-Unis, qui est une classe 2, huitième de la Flèche Wallonne féminine. Mais c'est peut-être ce genre de course aussi, remporter un classement général à ce niveau, qui va peut-être lui permettre aussi de faire un cap. Oui, et puis peut-être que cette fois-ci, on lui laisse réellement aussi sa chance. Donc ça change aussi un petit peu la donne quand vous prenez un maillot de leader et que derrière, vous confirmez que vous êtes capable de tenir un petit peu ce rang-là. Donc ça va lui permettre aussi de prendre de l'expérience encore sur ce rôle-là de leader. Peut-être que maintenant, on lui laissera peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre dans cette équipe IF. Une équipe IF qui est représentée en intégralité en tête de peloton. Vous apercevez quatre premières concurrentes avec le maillot rose, notre maillot jaune et juste derrière, c'est la championne des États-Unis en personne. Les États-Unis sont représentés également sur la partie gauche de votre écran avec l'équipe nationale, avec plusieurs filles qui sont représentées, le centre mondial du cyclisme ensuite et le maillot orange de l'équipe Saint-Michel Aubert 93, l'équipe Coralie Demey, l'équipe de, on le disait également en ce qui concerne cette formation Saint-Michel Aubert 93, l'équipe également de Margot Pompanon que l'on a hier échappé, compliqué pour la concurrente de Saint-Michel. Oui, c'est ça, c'était compliqué de pouvoir sortir avant hein, de difficile de là. Bien placée dans ce classement, Sylvia porteuse de deuxième de la forme. Donc, ici la concurrente de l'équipe Massy Tactic Women's Team. Allez, la concurrente peut-être venue d'Équateur qui va réussir à rentrer à l'arrière du peloton. On vous le dit, hein, on est venu de tous les continents, l'ensemble du globe représenté sur ce CIC Tour Féminin International. On peut insister sur International des Pyrénées hein, qui est bien. En tout cas, avec pas mal de concurrentes distancées, ce grimpeur commence à faire mal ici, notamment pour la formation Mendelspeck, si je ne m'abuse. On avait ici Irène Afolati. C'est terminé aussi ici pour la Polonaise Aurela Nerlo pour Massy Tactic Women's Team.
on remonte hein, petit à petit à l'arrière, cette certaine concurrente qui s'arrache ici pour la Rwandaise Valentine Nzansanga pour la formation Canyon SRAM Generation, le Rwanda qui va accueillir eh bien, prochainement aussi les championnats du monde. Ce sera la première fois que les championnats du monde sera organisé du moins en territoire africain. On aura l'occasion d'en reparler, c'est ça aussi cette volonté d'internationaliser le cyclisme, d'accueillir les pays émergents, alors que pour l'instant Jennifer à l'avant ça ne bouge pas beaucoup, mais le rythme s'intensifie et c'est par l'arrière, et on voit même au milieu du peloton que des petits écarts commencent à se faire entre les concurrentes. Ah, je pense que ce premier grimpeur hein, il va vraiment faire mal hein. On voit que toutes les filles qui sont un petit peu justes et qui dès les premières rampes à l'est du terrain et font pas mal de cassures. Hein. Je pense qu'en haut du grimpeur, hein, on va se retrouver à une trentaine de filles maximum. On aperçoit Coralie Demey hein, en deuxième position des maillots orange, les maillots de Saint-Michel-Aubert 93. Elle a perdu son maillot distinctif forcément qu'elle portait hier, mais elle le portait par procuration. Donc de toute façon, il n'y avait pas de réel intérêt. Coralie Demey qui, au-delà de la cinquième place pour le classement général, est sur une étape qui peut lui correspondre sur le papier. Oui, je pense. Hein, je pense que Coralie, ce qu'il lui faut surtout pas là, c'est des changements de rythme. si on arrive dans des bosses où ça monte vite, mais ça monte au train, elle est capable d'être là assez longtemps. Par contre, effectivement, si on commence à mettre des changements de rythme, voilà, elle nous l'a dit, elle est fatiguée, les changements de rythme, c'est physiquement. Troisième position, c'est Ricarda qui est troisième, minute et 38. Terminé deuxième de l'étape de Pau, deuxième de l'étape au col du Soulor hier. Belle performance hein, pour la concurrente de l'équipe Canyon SRAM Generation qui, je vous le disais, de toute façon doit courir seule. On l'a vu, ça lui posait pas de problème. On est déjà plus qu'à trois concurrentes dans cette équipe. On a perdu la Rwandaise hein, qui était dans les dernières positions du peloton. Du Paraguay avec Anna Espinola dans ce peloton. Notre meilleur Borf. Je pense que Michel a bien observé leur tactique de course hein, globalement. Il n'y a jamais de gros à-coups qui est mis par cette équipe-là. On essaye de broyer un petit peu les adversaires en roulant très très vite et en faisant céder petit à petit chacune des concurrentes. Et c'est comme ça qu'elles ont construit un petit peu les différentes victoires qu'elles ont eues. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Hein, donc il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas de question à se poser effectivement pour cette équipe. Alors on vous rappelle, si vous nous rejoignez, nous sommes dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées très précisément. Il y aura donc Jennifer le kilomètre 65. Une petite animation, si on peut le dire ainsi, alors que là on va arriver au bout du classement du meilleur grimpeur. Qui va être tout simplement Yulia Biryukova qui est passée forcément. On rappelle qu'elle est porteuse par procuration hein, Yulia Biryukova, puisque le maillot de meilleure grimpeuse normalement est sur les épaules de Krista Debel-Hickok. Bah oui, parce que Krista Debel-Hickok, elle a le maillot jaune, mais elle est censée avoir le maillot bleu et elle est censée avoir aussi le maillot à pois rouge. Ouais, ça fait quand même trois maillots. Et encore, elle en a perdu un en route. Hein. On vous rassure, elle en avait quatre au soir de la deuxième étape. Un peloton qui dormait.
de course déjà effectuée pour les concurrentes. Quelques dégâts à l'arrière, mais pas de réelles attaques pour l'instant. La course n'est pas réellement lancée pour le général et pour la victoire d'étape. Même si Jennifer, on aperçoit quand même une petite cassure là dans les 30 premières positions. Ah, une première cassure intéressante. Il sera donc difficile de juger si des favorites se sont fait piéger, mais on les a vus généralement quand même très bien placées. Pas de soucis de placement. La seule qui nous inquiétait un petit peu en termes de placement, c'est finalement la maillot jaune qui se retrouve encore en 30. Bah c'est ça. Sûr quand même assez haut. Attention des cassures servir un petit peu en difficulté dans tout simplement. J'ai envie de... dans nos... Elle s'est même pas mise en danseuse. Ah non, non. Ah, je pense qu'elle a... Et, autre... Jusqu'à ce que finalement, derrière, bah, ça saute de la roue. Elle remonte toujours pas. Hein. Elle frotte pas. On aperçoit, pour amener le train de la formation IF, Clara Hunsinger, l'américaine, avec la championne nationale des États-Unis également bien placée. Nina Bujman, qui a fait également une belle étape hein, pour Human Power Hills, que l'on avait retrouvé dans les premières positions longtemps hier. Et donc, pour la formation donc Human Power Hills, on le disait, cette formation qui a perdu du temps hier pour Eri Yonamin, la japonaise toujours deuxième du classement général, mais qui était seulement à 21 secondes et qui se retrouve désormais à 1,05. La japonaise a montré ses limites en montagne hier, mais aujourd'hui c'est peut-être un terrain plus favorable pour elle aussi. Oui, sur des pentes un peu moins longues et un petit peu moins pentues sur la moyenne, on va dire, de la bosse, donc ça peut peut-être lui convenir plus facilement. Maintenant, on va voir la récupérer de cette étape d'hier où on l'a vu quand même assez en difficulté sur la fin du parcours. Le classement meilleur grimpeur qui a été disputé il y a quelques instants et remporté donc, vous l'avez vu, par la porteuse par procuration du maillot de meilleure grimpeuse, Yulia Biryukova, l'ukrainienne de l'équipe Arkea, qui est sixième du classement général à 4 minutes et 51 secondes. La deuxième place revient tout simplement à Greta Marturano, la concurrente de l'équipe Top Girls face à Bortolo, qui est placée dans ce classement également un petit peu plus loin pour celle qui était présente hier. Elle a craqué un petit peu, elle a perdu la troisième place. Greta Marturano du classement général, elle est désormais quatrième à 1,40, mais on vous l'a dit, entre la quatrième et la deuxième place, il y a seulement 35 secondes d'écart. La lutte pour le classement général s'annonce sympathique, alors que la troisième place du premier classement grimpeur de la journée est prise par la meilleure jeune Ricarda Borfain, la porteuse du maillot rose pour l'équipe Canyon SRAM. Et on aura l'occasion de l'écouter un petit peu plus tard, puisque nous avons les images. Nous approchons des contrats de cette nationale des Pyrénées. Aujourd'hui aussi un facteur important à prendre en compte. Alors même si c'est anecdotique, mais nous sommes sur l'étape la plus longue, 115 km. C'était l'étape de moins. Coureur. Donc dans le groupe des favorites avec l'équipe Arkea Pro Cycling. Première position. De changer le. On rappelle. On va énormément. Et entre celles qui descendent et celles qui ne sont pas forcément. Rose qui
Et aussi peut-être les concurrentes qui étaient lâchées de revenir, les concurrentes qui étaient les moins à l'aise dans les descentes de revenir, même si on est loin des descentes ou de la descente technique que l'on avait eue hier avant le premier col de. Et je suis quand même étonnée de voir l'équipe Arkea, moi, faire les points du grimpeur, sachant qu'aujourd'hui, hein, on a 12 points au total, entre guillemets, si on prend vraiment le fait qu'elle remporte chaque classement. Elle avait 14 points de retard ce matin. Donc c'est vrai que je trouve que c'est étonnant de faire des efforts comme ça, bah, finalement inutiles, hein, parce que même si elle remporte les trois classements qui arrivent et que la leader n'en prend zéro, elle remportera quand même le classement. Est-ce qu'on n'est pas dans une optique aussi de profiter de ces pentes pour créer justement une échappée, créer un petit groupe, puisqu'on voit la formation Arkea la rouler, il n'y a plus de classement grimpeur là. Il y a peut-être aussi une volonté d'être à l'avant pour faire un mouvement de course. Alors c'est possible, mais dans ces cas-là, il faut essayer de sortir un petit peu plus tôt que 50 mètres malheureusement. Du grimpeur, quelque chose, il va falloir les surprendre et essayer de sortir, je pense, soit dans les descentes ou beaucoup plus tôt dans les ascensions. En tout cas, c'est un peloton très très étiré que vous avez là en descente avec la formation IF qui a repris la première place. Donc ici, on le disait, avec la présence donc de Clara Hötzinger en tête, on retrouvait juste derrière la formation, si je dis pas de bêtises, c'est championnat national en Allemagne, mais en tout cas il y a vraiment de belles choses à tirer de cette concurrente, et attention, elle montre aussi le terrain qui lui correspond. Voilà. Dans ce peloton, cette on était avec Clara Hötzinger, l'américaine de cette équipe, que l'on retrouvait en deuxième position, du moins en première position du peloton. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir 2-3 concurrentes sortir. Là, une seule, Margot Pompanon, si elle a réussi à faire le trou, elle va pas aller loin, quoi. Non, mais on essaye de mettre quand même sous pression cette équipe IF. Hein. On voit qu'on fait la descente. On ne sait pas trop où est le maillot jaune. Donc peut-être qu'aussi dans les oreillettes, on a entendu que le maillot jaune était assez loin dans le peloton. Donc c'était peut-être effectivement le moment de pouvoir leur mettre la pression et de les pousser, pourquoi pas, à la faute dans cette descente. Surtout qu'on parle beaucoup de Coralie Demey, qui est la française la mieux représentée, cinquième du classement général après l'étape d'hier du col du Soulor, et cinquième avec un retard de 4 minutes et 22 secondes. On se rappelle quand même que la première échappée a mis 4 minutes et 5 secondes au peloton, hein, à Pau. Rappelez-vous, on ne s'attendait pas à ce scénario de course. Ah non, non, c'est sûr, on s'attendait quand même à une course de mouvement en ayant 77 km, donc forcément, on savait que ça allait bouger un petit peu, mais de là à avoir une échappée qui prenne 4 minutes, c'est sûr que là, on a vu un petit peu certaines surprises et ça a relancé aussi un petit peu la course. Margot Pompanon, a priori, hein, qui serait en tête. On va attendre, bien sûr, d'avoir la confirmation, mais ça semblerait que ce soit la concurrente de. Concurrente en tout cas de Saint-Michel-Aubert 93, alors que vous voyez, on va encore redescendre. Hein. Là, il y a quand même des sacrés écarts, les motos qui passent et la leader qui est ici. Ouais, on peut presque s'observer. Alors, il y a un peu d'arbres qui vont embêter les dernières positions du peloton. Bon, j'ai pas aperçu le maillot jaune personnellement, alors qu'on a la confirmation, c'est bien Margot Pompanon, hein, qui est là en tête de course actuellement. C'est bien, hein, parce qu'elle tente vraiment des choses en mettant les autres en difficulté à des endroits où elles n'étaient pas forcément attendues. Donc c'est bien, hein, cette équipe Saint-Michel qui
tente vraiment un petit peu tout sur les différentes étapes et mettre sous pression cette grosse équipe finalement. Ça nous promet aussi une course plus qu'intéressante. On ne va pas se mentir, on avait un petit peu à se manger. Restacle s'annonce ici à Lourdes. Qui vont repasser. L'été de Lourdes et le à Lourdes qui est aux alentours de 16. Donc ici parce qu'on a deux classements à un qui est autour. Tout à l'heure, c'est elle. Donc elle est revenue. Les 4 points, pardon. Elle est Sylvia Zanardi a marqué des points. Oui, elle en a marqué 2. Donc ouais, on est dans le match, hein. Il y a encore possibilité d'aller chercher ce maillot, alors qu'on a vu que ça revenait derrière pour Margot Pompanon, peut-être avec la maillot de meilleure jeune, Ricarda Borfain, c'est peut-être elle qui va tenter quelque chose. Elle a fait une remontée au classement général, elle est remontée à la troisième position, mais là elle a que 33 secondes de retard sur Eri Yonamine, la japonaise que vous retrouvez donc avec le maillot distinctif bleu et vert. On l'a pas trop vu Eri Yonamine pour l'instant pour la formation Human Power Hills. On se dit peut-être qu'on peut aller chercher la deuxième place pour la meilleure jeune, hein, attention. Et puis pourquoi pas, si notre Christa de Bellicoque est piégée, bah pourquoi pas aller chercher quelque chose. Ça ferait quand même une 35 à prendre sur la concurrente d'IF Education Tipco SVB. On se dit que ça paraît compliqué quand même. En attendant de retrouver les images, on va peut-être écouter justement la réaction de la meilleure jeune, celle qui porte le maillot rose, Ricarda Borfain. Ça sera dans quelques instants parce que là, on voit que la course bouge actuellement autour de l'hélicoptère. Ah, elles ne sont plus beaucoup dans ce peloton. La maillot jaune est bel et bien présente actuellement au centre. L'avant, donc c'est sûr que si on est dans bah ça va être le on le maillot du team qui amène en Camille. Si c'est Camille qui nous dit qu'est-ce que pour alors parce que si on go Pompanon. Et puis vu ce qu'elle nous dit de ce début d'étape, on va essayer de faire un top. De Saint-Créac, en tout cas pour le classement général, Camille Failly, ouais, elle a quelques secondes, hein, seulement. Hein, elles sont la 15e place, elle est à 1 minute. Donc il y a possibilité de faire quelque chose, en tout cas pour Camille Failly. Pour l'instant, la situation qui est toujours la même, Margot Pompanon donc qui emmène le groupe, qui emmène tout simplement la course
avec quelques longueurs d'avance sur un quatuor dans lequel on retrouve sa coéquipière Camille Failly, on rappelle stagiaire depuis le 1er août dans cette équipe. Dernier écart, 9 secondes en faveur de la concurrente de tête, Margot Pompanon, alors que derrière, c'est ressorti. Massy tactique. La présente à tout de suite. Ici. Des points UCI. Preuve et on se dit. Tardé. Course de mouvement. L'équipe. Et un petit groupe. Ouais. Bah là non. Là. Ça sera qu'on en est pas au sprint. Savoir où on en est sur la course, on approche de l'heure de course. Moi je pense qu'on est pas tout simplement long. Quelques minutes, peut-être dans 5-6 minutes, je pense qu'on devrait être a priori au sprint point chaud. Hein. Il y a un petit peu de filles quand même qui sont rentrées, hein, donc ça doit rouler, mais je pense que ça s'est calmé un petit peu. Ouais, va peut-être falloir aussi. Peut-être un pas. Pire, on a à qui vous ce premier gros montagne pour internet. On est très heureux événement parce que Jennifer, ce qui veut dire du prochain sprint. Lève un petit peu, hein. On risque d'avoir quelques filles qui vont rentrer un petit peu de l'arrière. Mais à mon avis, ça va pas durer très longtemps. Hein. En étant aussi près justement de ce point chaud là, on voit Diana Nardi qui est en train de se replacer tranquillement dans les premières positions pour essayer d'aller chercher les points. On va chercher un bidon aussi pour la concurrente de la formation Arkea Pro Cycling Team. Et l'accélération juste derrière, poussée par le bidon. Arkea Pro Cycling Team qui a perdu Lucie Jounier.
Abandon pour la concurrente bretonne qui a du mal à retrouver son meilleur niveau hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs également coups compliqués hein, en ce qui concerne la préparation. Alors que pour cette équipe Arkea, on est avec la jeune Marie-Morgane Le Dinf qui est bien jour. Concurrente qui brille sur la piste et à noter, comme beaucoup de filles, c'est vraiment la première fois qu'elle arrive dans des épreuves de montagne. Chez les filles, on n'a pas ce rituel, j'ai envie de dire, d'aller tout simplement faire des épreuves et donc on ne connaît pas ce ressenti. Je suis pas sûre non plus que Morgane, hein, c'est plutôt une fille qui fait de la poursuite, qui fait vraiment des courses de fond, donc un profil puncheuse sur certaines bosses en ce qui concerne le tout à l'heure 84 non un il y avait pas mal de jus d'énergie hein, qui ont été produits. Ces tours féminins internationales des Pyrénées avaient débuté de mètres qui Guelouve et là eh bien non deuxième étape sud-est de Pau hier entre Pierrefitte Nestalas et le col du Soulor et aujourd'hui donc autour de Lourdes. Alors pour tout simplement cette épreuve, ça se passe à l'est et au sud de Lourdes, voilà pour si vous connaissez la région. Alors qu'on a un petit souci là a priori toujours pour la même concurrente, on va être avec c'est Greta Marturano elle-même, ouais, qui va chercher les bidons. Oh, on va chercher les consignes peut-être surtout là. Je pense qu'on vient prendre quelques infos et savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude. Maintenant, ils ont quand même touché un petit peu au vélo, donc est-ce que c'était aussi un petit problème mécanique? Je pense pas, mais je pense que là, on essaye de voir comment on peut essayer de faire bouger les choses, sachant que ça dynamite vraiment de tous les bords. Il y a plein d'attaques, il y en a partout depuis tout à l'heure. Ça ressort ici, on va faire le sprint hein, pour Sylvia Zanardi, le placement point chaud. Et la deuxième position, c'était Margot Pompanon. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais là, ça va être compliqué hein, parce qu'il reste plus que deux sprints. Je pense mathématiquement, on va refaire les points parce que vous avez été très bonne à l'école, Jennifer. Donc, vous allez pouvoir nous faire l'addition que je ne suis pas capable de réaliser. Et on aura la confirmation dans un petit instant du classement des points chauds. Sylvia Zanardi, l'italienne de la formation Bipping, une des grandes attaquantes. Elle aussi. Prix de la combativité des États-Unis et Madame Zanardi aurait la combativité multiple reprise à l'avant. Oui, elle a essayé de sortir de loin, elle a tenté pas mal de choses, elles sont sorties quand même à deux hier et c'est vrai qu'elle a été très 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 active aussi sur le classement justement des points chauds avant. De nouveau, il y a une épreuve par un moment à l'attaque. Soit j'ai performance de tout assez débridé hein. Courses qui sont stéréotypées, une échappée qui contrôle par exemple sprint attendez un petit peu
j'ai où on me dit mais une groupe pas qui vient dans on avait Benito aussi un moment instant. Devant hein. Ah non c'est notre ouais donc c'est ça ça change les points donc c'est plus Margot Pompanon qui s'est fait reprendre, ça c'est une certitude et on a toujours la confirmation effectivement de la concurrente donc Mireia Benito Pellissier qui est au commandement de la course avec une minute d'avance désormais, la confirmation donc pour la concurrente espagnole de la formation Massi Tactic Women's Team qui est bien à deux coureuses hein, également dans le top 15 de l'épreuve avec la Slovène Spejla Kern hein, qui a longtemps été à l'avant hier et puis Eife Brandt qui a fait partie du moins pardon Maike Kolje qui a fait partie de l'échappée un petit instant hier, ce qui nous fait deux concurrentes dans le top 15 pour cette équipe et Mireia Benito Pellissier est 23e du classement général donc ça change un petit peu les totaux. Est-ce que c'est toujours faisable avec cette nouvelle situation? C'est toujours faisable hein, pour l'instant si effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure se confirme avec Sylvia qui a passé du coup en deuxième position le sprint et Margot Pompanon en troisième position, ça fait 6 points d'écart. Donc mathématiquement c'est encore faisable. Par contre il faudrait surtout que Sylvia Zanardi ne prenne pas de points pour que potentiellement Margot Pompanon puisse revenir dans le classement. Ouais donc il faudra une échappée sans Zanardi, c'est ça que vous êtes en train c'est de me ça. Dire. Parce que si c'est le peloton, il est difficile d'imaginer que Sylvia Zanardi ne prenne pas de points parce qu'il n'y a pas non plus 45 000 concurrentes qui ont la volonté d'aller. Accueillir bien évidemment les cyclistes France et repris pour l'instant c'est ici. D'avance de 1 minute sur un peu le qui le point. D'être à l'avant seul. On a 1 minute, alors on se dit qu'on a un coup d'avance, on espère avoir un retour à l'arrière peut-être de quelques concurrentes. Parce qu'à un moment on va pas se dire on va se relever, qu'est-ce qu'on peut espérer comme ça d'un long raid? Parce que quand on est à 2, à 3, à 5, d'accord, mais là seul, ouvrir la route, quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, Jennifer? Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'elle n'a plus vraiment besoin de réfléchir. Hein. Elle va se rapprocher du petit Aspin, hein, qui est le deuxième GPM de la journée. Et à partir de là, forcément, derrière, c'est une bosse qui va faire 4,5 km et qui a quand même un pourcentage maximum à 10%. Donc, c'est qui va encore faire mal au peloton derrière. Donc, c'est possible qu'il y ait des groupes qui se forment. Et vaut mieux réussir à pouvoir anticiper ça, comme elle vient de le faire avec 1 minute où elle va pouvoir, elle, monter à son train cette bosse-là. Et pourquoi pas être récupéré derrière par des petits groupes comme on est en train de voir à l'écran. Avec la formation Arkea Cycling Team qui a placé quelques filles, c'est le cas également de la formation Saint-Michel Aubert 93. On va avoir la confirmation dans un petit instant. C'est toujours Marie-Morgane Ledinf qui est là. On est toujours avec Margot Pompanon. Nous avions la présence également de Catalina Sotos Campos et la présence pour la formation du team Mendelspec pour l'italienne Béatrice Pozzobon. Voilà le quatuor qui vient de se faire rejoindre par une concurrente de l'équipe nationale des États-Unis. Reste à savoir si l'échappée va. On n'a pas encore les.
on va instant bien sûr. Et donc on a laissé à récupérer au maximum. On a le droit de dire cet après-midi, les on vous et vous restez. Sûr, si vous êtes avec nous pour vivre le final de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Et le retour de Sylvia Zanardi. Et c'est fait pour la formation Biping. Ça y est, elle est là dans ce groupe. Elles vont être désormais une dizaine, 9 si je ne m'abuse, au commandement avec Marie-Morgane Le Dinf pour la formation Arkea Pro Cycling Team. Margot Pompanon là, qui est en train d'amener pour la formation Saint-Michel Aubert 93. On a la représentante ici de l'équipe des États-Unis, toujours la même, hein, Erika Klevenger, très offensive ces derniers jours. On a ici Catalina Sotocampos pour la formation Biscaya Durango, Marie-Morgane Le Dinf dans la roue. Vous avez juste devant la concurrente Lia Leizene pour la formation Enicat. Dans la roue, nous avions la présence ici de Francesca Piscali, Margot Pompanon qui est intercalée avec la concurrente américaine Sylvia Zanardi, et il me manque, je crois, la dernière concurrente de ce groupe, et on devrait être pas mal. Je pense que c'est Portolo, hein. Il nous en manque peut-être plus. Ouais, ce serait 8 en tête. Ça va revenir. Juste d'allumer. Nous retrouver sur de l'organisation. Il y a une concurrente qui est au commandement, hein, la concurrente de la formation Massy Tactique Women Steam, qui est donc entre-temps, un petit groupe est sorti et le peloton là qui est soit même pas là, c'est Sylvia derrière. Sylvia Zanardi, ici, à l'image. Il nous manque du dans les dernières positions. Vous allez le voir ici, Sylvia Zanardi à sa droite avec le maillot rouge, Marie-Morgane Le Dinf. On aperçoit maintenant en dernière position Catalina Soto Campos que nous retrouvons donc. Et ici, la montagne qui s'est échappée aussi actuellement. On profite des images, en tout cas, on vous dans le groupe de contre. Il y a également Lia Leizene pour la formation Enicat RBH Global, Marco Pompanon pour Saint-Michel Aubert 93, Francesca Piscali pour le team Mendelspec, Iris Manticolo pour le team Top Girls face à Bortolo, Enrica Klevenger pour l'équipe nationale des USA, Catalina Sotocampos pour Biscaya Durango. Je crois qu'on a fait le tour de ce groupe de tête qui chasse derrière une concurrente au commandement, Mireia Benito Pellissier. Le peloton serait lui encore un petit peu plus loin. On ferait rideau dans le peloton, on va avoir la confirmation. Là, c'est la concurrente de tête que l'on retrouve. La tête de course ici donc. On va essayer de refaire des écarts là avec les concurrentes.
puisqu'on est du côté d'Agos Vildalos. On le disait, on remonte les routes que l'on a réalisées hier avant de rejoindre Lourdes et passer à l'Aspin, et notamment cette deuxième difficulté du jour, le petit Aspin qui sera escaladé à deux reprises, on le rappelle aujourd'hui. Groupe de contre dans la localité. On a vu. Soixante-dix désormais pour l'instant. Encore avoir à peu près. Où il y a boss, hein. Le mal justement à ces filles de compte qui sont déjà bien dans l'exercice aujourd'hui depuis quelques kilomètres. Allez, l'ardoisière qui nous indique les écarts. On va peut-être essayer de voir ce que l'ardoisière nous dit pour savoir où on en est avec ce groupe de contre. Dernière position pour la Bretonne, Marie-Morgane Le Dinf. Juste devant elle, on retrouve la concurrente italienne, Francesca Piscali. Ah, il y a quand même l'air d'avoir des gros écarts. Bah, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Parce maintenant. Parce que quand on voit à l'hélico qu'on n'aperçoit pas le peloton, qu'on n'aperçoit pas les différents groupes, c'est quand même des écarts assez conséquents. Ouais, déjà on voit l'écart justement entre la fille de tête et ici le groupe de contre. Hein. Il doit y avoir 40 secondes, 45 secondes. C'est ça, il y a une petite minute. Et le peloton, lui, est encore plus loin. Il est là-bas. Donc, ouais, C'est pas énorme encore. Hein. Ouais, tout est en 1:30, on va dire. Ouais. On va avoir la confirmation. Je sens que Philippe, qui est à la régie de cette épreuve, va dégainer son chrono plus vite que son ombre pour nous donner les informations et savoir ce qu'il se passe actuellement sur la route de cette quatrième étape du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. C'est la première fois qu'on voit un groupe qui s'entend malgré le retour de... Rien changé à l'entrée du groupe. 40 tête et le groupe plus loin, on va général, donc je pense que à tout à 40 secondes sur un groupe de contre, Zanardi, Le Dain, Erika, Colo, Toto, a eu le également les emmener le peloton, hein. Sachant que je crois que de mémoire elle était toute seule tout à l'heure, alors à moins qu'il y ait une autre de ses coéquipières qui soit revenue, mais si elles sont deux, hein, on envoie une autre un petit peu plus loin.
Et ça ressort ici pour Sela Mama Gerefil, la concurrente donc éthiopienne du Centre mondial du cyclisme, qui a longtemps été dans le col. Hein. Ça lui a fait une belle remontée au classement général, 17e à 11 minutes. Ça aussi, c'est une des découvertes, une concurrente éthiopienne que l'on suivra dans les prochaines minutes. Donc, alors qu'on va passer ici dans un petit instant avec le peloton que l'on va retrouver et de multiples attaques dans le peloton. C'est pourquoi on évoque des écarts supérieur à 1,30, inférieur à 1,30, parce qu'en fait il n'y a pas un rythme régulier dans le peloton, il n'y a pas une équipe qui assure la chasse, c'est de multiples accélérations. C'est ça, il y a des filles qui veulent rouler, d'autres qui préfèrent sortir, mais c'est pas vraiment une équipe. On voit que les équipes représentées aussi à l'avant finalement se replacent un petit peu et vont essayer justement de bloquer toutes ces organisations. Allez, la concurrente espagnole que l'on retrouve toujours au commandement hein, de l'épreuve. On rappelle, il y a toujours une concurrente en tête. Peloton qui a l'impression, bah là voilà la concurrente de tête, on vous le disait, qui était cinquième de son championnat national cette année, deuxième de l'épreuve Revolta en ce qui concerne. Une concurrente qui a l'habitude de courir en France, hein, puisqu'elle était sur le Tour de l'Ardèche féminin, notamment l'an passé, où on l'avait vu prendre pas mal de top 5 d'étapes, hein, notamment. Donc une concurrente qui connaît bien, même si on n'est pas en Ardèche, hein, vraiment ici, alors qu'on reprend les routes qui étaient empruntées hier. Hein. Là, on va remonter sur Lourdes pour les concurrentes tout de suite sur le classement général. Donc c'est pour ça aussi peut-être que l'équipe IF se désintéresse un petit peu de la chasse, hein. Elles vont laisser travailler celles qui ont été piégées et qui sont pas à l'intérieur de cette échappée. Ouais, mais si alors l'avantage qu'il y a par rapport à ces derniers jours, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que si la formation IF ne roule pas pour l'instant, contrairement à Pau, on pourrait peut-être la voir s'activer dans le final si jamais l'échappée prend trop de champ. Oui, c'est possible, sachant que sur la deuxième boucle qui va être parcourue, les deux grimpeurs s'enchaînent quand même plutôt vite. Ce qui veut dire que si on met en route sur le grimpeur numéro 3 qu'on a déjà vu tout à l'heure avec la Codonielle, et bah, tout simplement il y a une descente et on revient tout de suite sur le petit Aspin. Les difficultés qui vont s'enchaîner plus rapidement lors de cette deuxième boucle, en fait, on évite le crochet vers le sud, hein, tout simplement pour revenir sur Gazost. On n'ira pas jusque-là en ce qui concerne la deuxième boucle. Et on aura d'ailleurs deux points chauds en moins sur la deuxième boucle. Voilà en ce qui concerne le point sur le parcours. On va dans quelques instants avoir de nouveaux écarts, du moins on l'espère, pour les dernières informations donc de cette épreuve. On voit qu'à l'avant, hein, c'est vraiment des relais qui sont appuyés, hein. Tout le monde est en file indienne. À l'avant, voilà, on n'a pas envie de rigoler et on veut prendre un maximum de temps. La tête de course que vous retrouvez à l'image, ça roule plutôt bien avec l'ensemble de ses filles. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Sylvia Zanardi là, qui va passer relais. Elle donne l'impression de dire que ça ne roule pas assez vite. Hein. Elle s'est retrouvée quand même troisième pour aller tout de suite passer un relais. Hein. On sent qu'il y en a qui sont peut-être plus fraîches que d'autres. Hein. Puis on dit que ça roule bien jusque-là, mais on évoquait 9 concurrentes. 9, c'est quand même un peu beaucoup pour une échappée. Moi, je pense que c'est le bon compromis, finalement. Moins de 10, on peut moins se cacher pour passer des relais. Et finalement, il y a quand même beaucoup d'équipes. Donc derrière, c'est plus compliqué pour organiser un petit peu les choses. Donc je pense que c'est le bon compromis, finalement, entre 7 et 9 filles à l'avant. Sachant que je ne suis pas sûre qu'on va garder quand même ces 9 filles comme ça très longtemps. Hein. Ouais, on voit qu'il y en a certaines qui passent un petit peu moins. Et ça y est, hein, regardez, on va passer là dans un petit instant pour l'Espagnole Maria Benito Pellicer qui va pouvoir dans un petit instant passer son relais. Voilà qui est fait, celle qui ouvrait la route, qui a été la première finalement à réussir à prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton.
Ça y est, on revire. Alors, on a une concurrente qui est en train de rentrer. Ah, si ça rentre de l'arrière, hein, c'est que ça a monté vraiment non, très, non, très, non, très fort. Non, c'est qu'il nous en manque une, là. Ah. Elles sont que 8. On est peut-être allé du côté de la voiture ou une concurrente qui a été embêtée. On va avoir la confirmation, on va pouvoir le voir dans quelques secondes. Je pense qu'elles vont pas tarder à arriver hein, sur le sommet du grimpeur, hein, juste à l'entrée de la ville d'Aussen. Hein. On va suivre ça attentivement. Margot Pompanon qui emmène. Elle aussi qui, sur les routes du Tour de France, femme, a eu le temps de goûter, de profiter des pavés des Champs-Élysées avant de partir explorer le Grand Est. Je pense que ce Tour de France, finalement, il lui aura fait en tout cas d'avoir passé un cap après ce Tour de France. Elle a quand même plutôt bien récupéré, on la voit tous les jours omniprésente à l'offensive, on essaye de jouer les classements général, le classement par sprint. Ouais. Et voilà, aujourd'hui elle se retrouve à l'avant pour je l'espère en tout cas, essayer de jouer l'étape. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bon point, si on doit distribuer des bons points, si on fait le conseil de classe de ce CIC Tour Féminin International des Pyrénées à l'équipe Saint-Michel Aubert 93 qui, on le rappelle, hein, n'avait que 4 concurrentes au départ. Une équipe qui n'a failli pas prendre le départ de cette épreuve puisqu'on rappelle que Camille Failly, pour le coup, est stagiaire de cette équipe. La carte, en tout cas, l'autorisation de stage n'était pas forcément enregistré par l'Union Cyclisme Internationale. En tout cas, c'était pas OK informatiquement. On a dû passer quelques coups de fil du côté du collège des commissaires pour savoir si oui ou non Camille Failly pouvait prendre le départ de l'épreuve. Et c'était validé. Et cette équipe Saint-Michel Aubert 93, qui avec seulement 4 filles, nous en ont montré 3, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On a vu 3 concurrentes. Camille Tessier, on l'a un petit peu moins vu, mais Coralie Demey dans la première échappée. Elle prend la 3e place de l'étape, la 4e place du général au bout de la 2e étape. On l'a vu également briller hier. Elle est désormais 5e du classement général à 4,22. Camille Failly, elle était présente, 20e de l'étape d'hier, 21e du classement général. Et Margot Pompanon faisait partie de l'échappée d'hier. Elle a été un petit peu juste, c'était un profil compliqué aussi, le dénivelé, peut-être la chaleur, ne lui ont pas convenu, mais en tout cas elle est de retour à l'avant aujourd'hui. Saint-Michel Aubert 93 qui fait une très belle course et un beau CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Ouais, je pense qu'ils ont bien saisi leur chance, même si elles étaient que 4 au départ. Voilà, elles nous montrent qu'il y a 3 filles intéressantes, on va dire en plus de ce qu'on a pu voir sur le Tour de France. Mais c'est bien de voir ces filles-là, sachant qu'avant que l'échappée se fasse, hein, elles étaient encore 3 dans le peloton qui était déjà bien amaigri. Donc finalement, on parle souvent de quantité, mais globalement, elles nous ont montré qu'il y avait plutôt de la qualité. Dernière position de ce groupe pour la concurrente de Lettonie de l'équipe Enika TRBH Global, Lira Leizene, que l'on retrouve ici. Sylvia Zanardi dans la roue, très attentive à ce qui se passe. On avait là Catalina Sotos Campos. Le passage également pour l'équipe Top Girls pour Iris Monticolo. Et à l'avant, c'est Margot Pompanon qui continue son relais. Elle en fait beaucoup peut-être, Margot Pompanon. Ouais, elle en fait peut-être un petit peu beaucoup. Faut passer le vélo, hein, mais de là, elle passe quand même beaucoup de bout. Dès qu'il y a un petit peu des sauts de relais, elle prend le trou, puis elle va passer aussi ses relais. Voilà, il faut qu'elle apprenne aussi sur ce genre de course à faire l'écart. Parce qu'il faut qu'elle prenne du temps, ça c'est sûr, mais de ne pas en faire forcément beaucoup plus que les autres. On va essayer de refaire un petit point dans ce village. Philippe va essayer de sortir ses chronos avec l'hélico dans quelques secondes. Pour pouvoir... Ouais, c'est pas grand-chose. Hein. On a encore... Je pense qu'on a pris là sur la troisième maison là-bas. Je dirais qu'il y a une quarantaine de secondes, mais...
Pas sûr qu'il y ait plus. Ouais, c'est encore léger. Pas sûr qu'il y ait plus, pas sûr qu'il y ait plus. On va essayer de suivre le peloton, découvrir quelle formation. Jusque-là, l'équipe IF Education VB n'a rien à faire. Hein. Ça, c'est vraiment la bonne opération pour l'équipe qui a remporté les trois premières étapes. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont pas trop en difficulté. Hein. Une échappée qui est plutôt qui leur laisse un petit matelas, mais pas énorme. Et derrière, voilà, elles sont dans les roues, elles laissent faire et bah, pour l'instant, elles grillent pas de cartouches inutilement. Hein. Non, mais en même temps, l'échappée a l'air de convenir à tout le monde. On attend peut-être que eh bien, la pente grimpe davantage, se durcisse pour essayer de faire un petit écrémage, premier petit écrémage, parce qu'on a compris que la fraîcheur n'était pas la même pour les unes et les autres dans ce groupe. Non, mais je pense que le deuxième passage dans la côte de Neuil, hein, elle va faire un petit peu plus mal. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est là où le peloton a commencé à un peu exploser, où des filles étaient déjà lâchées. Donc elle est plus longue que ce col du Petit Aspin, hein, cette bosse même du Petit Aspin. Donc je pense que sur ce deuxième passage de grimpeur, c'est là où la course peut encore être dynamisée. On va essayer de garder l'hélico dans ce virage jusqu'au passage du peloton pour réaliser l'écart et profiter des massifs des Pyrénées, le département des Hautes-Pyrénées, le Béarn, qui est le théâtre tout simplement de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Pour l'instant, dans la quatrième étape, il y a 30 secondes d'écart entre les concurrentes de tête et le peloton, confirmé à l'instant l'écart de 30 secondes. C'est pas grand chose, hein. Franchement là c'est pas grand chose. On va essayer de rester sur la tête de peloton, savoir qui eh bien, amène ce peloton. Et en plus, c'est une descente qui correspond plutôt bien à un peloton. Hein. Il n'y a pas de virage dangereux, c'est quasiment c'est tout droit. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que pour le peloton, c'est plus simple. Quand vous êtes à l'intérieur du peloton, il y a quand même cet effet un petit peu d'inertie qui vous permet de descendre plus vite. On n'est pas dans les réelles descentes de col, comme on a pu le voir hier. C'est sûr que c'est beaucoup moins technique qu'hier sur certains passages. Puis hier, on a eu aussi, au-delà des petits soucis avec la route, je vais demander en régie de nous montrer une petite photo qui a fait un peu le tour des réseaux hier, Jennifer, parce que des concurrentes ont dû presque mettre pied à terre, non pas à cause de la pente trop difficile, mais à cause de spectateurs qui traversaient la route n'importe comment. Alors, ce n'était pas des vrais spectateurs. Regardez cette photo, c'est les vaches qui se sont invitées sur le circuit et qui ont embêté un petit peu ici. Zoé Backstead, la double championne du monde des juniors, qui, je crois, a eu l'occasion de connaître sa première fois sur la route avec les vaches. Hein. Je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion de le voir sur les championnats du monde ou sur les autres échéances. En tout cas, la petite image sympathique qu'on voulait vous montrer à l'issue de cette troisième étape hier. On avait les ânes, on avait les moutons, on avait les vaches, les chevaux également. Il y en avait pour tout le monde. Alors qu'on a vu le peloton amené à nouveau par les maillots roses, la formation Bipping est là, mais il y a bien la formation IF qui roule un petit peu maintenant. On a dit vous êtes gentils, mais on va contrôler un peu. Hein. C'est ça, et là on est encore dans la descente, on va pas tarder à revenir sur Lourdes. Donc on va finir finalement cette première boucle du parcours pour pouvoir attaquer la deuxième qui va être beaucoup plus dure avec ces enchaînements de grimpeurs. Donc avec une échappée à seulement une trentaine de secondes, bah, ça relance la course aussi pour finalement cette victoire d'étape. Et c'est compliqué dans le groupe de tête pour Erika Klevenger que vous voyez en tête de ce trio qui tente de revenir avec dans sa roue Lyra Leizene, la concurrente de Lettonie, et puis eh bien Marie-Morgan Le Dinf, la concurrente d'Arkea Pro Cycling Team, qui est en train de rentrer. Ça y est, dans le groupe, c'est regroupé. On va tourner sur la droite ici. Et on sent que les niveaux ne sont pas les mêmes. Non, on sent qu'il y a des filles qui sont un petit peu à bout de souffle hein, sur certains passages, les relances. Là, on voit que sur la descente, il y a eu un petit peu de perte, quelques mètres. C'est pas énorme, mais c'est encore un effort supplémentaire qu'il faut faire pour pouvoir se remettre dans les roues.
Et on arrive là, sauf erreur de ma part, dans Lourdes. Est-ce qu'on a le classement du meilleur grimpeur? On a là le sanctuaire que vous voyez sur la droite, la grotte qui est juste à droite hein, de la partie du sanctuaire que vous avez vu. Ici, les belles images de Lourdes qui accueillent eh bien, le dénouement de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. On profite des beaux paysages des Hautes-Pyrénées. Et je vous disais, à Lourdes, il y a du monde tout le temps. C'est affolant parce qu'il y a le public qui vient pour l'aspect religieux. On vient un petit peu de partout dans le monde, forcément, pour aller voir cette fameuse grotte, pour participer aux différentes processions qui sont organisées à multiples moments de la journée. Mais il y a un public aussi qui vient pour l'aspect patrimonial, non pas que religieux, et puis pour visiter tout simplement. Et il y a du monde à tout moment dans les rues, et ce qui promet d'avoir pas mal de spectateurs au moment où les concurrentes vont franchir la ligne tout à l'heure. Ce sera dans un petit peu plus d'une heure, une heure et quart a priori, pour le dénouement de cette étape. Pour l'instant, la situation est figée. Nous avons 9 concurrentes en tête, avec l'Espagnole Mireia Benito Pellicé pour la formation Massi Tactic Women's Team. Nous avons également Sylvia Zanardi pour la formation Beeping, Marie-Morgane Ledinf pour la formation Arkea Pro Cycling Team, Léa Les Aînés pour Enicat RBH Global, Margot Pompanon pour la formation Saint-Michel-Aubert 93, Erika Klevenger pour l'équipe nationale des USA, la présence ici de Francesca Piscali que vous avez en dernière position pour la formation du team Mendelspec, Iris Monticolo pour la formation Top Girls qui est en train de revenir là en dernière position par la gauche de votre écran, et à Catalina Sotos Campos. Voilà les 9 concurrentes de tête, alors que le peloton, vous voyez sur l'écran de droite, amené par la formation IF Education type CoSVB. Et l'équipe des USA qui est là pour contrôler. Hein. Ça aussi, hein, on a distribué les bons points tout à l'heure à l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. L'équipe des USA, elle n'a pas forcément l'effectif nécessaire pour peser sur la course, mais elle est toujours présente au niveau du placement. Il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Non, c'est sûr, on les voit toujours plutôt bien placés. Maintenant, c'est vrai que être bien placé, c'est bien, mais malheureusement, elles n'ont pas encore, peut-être physiquement, cette possibilité de pouvoir intégrer finalement les échappées. Alors qu'on a eu le classement du grimpeur, le petit Aspin, il y a quelques instants, avec la présence en tête dans cette difficulté de Francesca Piscali, la concurrente italienne du team Mendelspec, la deuxième place qui est revenue à Erika Klevenger, la concurrente américaine, et la troisième. Donc on était avec Margot Pompanon, mais on l'a bien compris, pour le classement de la meilleure grimpeuse, c'est terminé, hein, c'est Christa Debellicoc qui devrait accumuler le maillot, alors que là nous sommes dans les rues de Lourdes, une rue où vous allez le voir, ou des rues à Lourdes, si vous n'êtes jamais venu, c'est assez impressionnant, vous avez des hôtels partout. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus d'hôtels au kilomètre carré que sur Paris. Le virage à gauche en tout cas pour les concurrentes ici. On va retrouver une portion assez rectiligne maintenant, avant de revenir devant le Parc Expo, hein, qui accueillera la ligne d'arrivée tout à l'heure. On évoquait le départ tout à l'heure qui a été donné, on vous le rappelle, c'était sur les coups de 11h, départ matinal. Pour une arrivée en début d'après-midi sur les coups de 14h, il reste un petit peu plus d'une heure de course. Allez, on va de nouveau virer sur la gauche pour rejoindre désormais la sortie de Lourdes et reprendre cette partie est. On va prendre la direction de Bagnères-de-Bigorre. On n'ira pas jusque-là, mais c'est la direction qui va nous intéresser désormais, avant de redescendre pour avoir un autre classement meilleur grimpeur. Mais avant ça, il y a un point chaud qui va arriver dans 5 km, si je ne m'abuse. C'est ça. Et ça commence à parler un petit peu, hein, dans l'échappée. Hein. On voit des petits signes de certaines concurrentes qui leur disaient, ça serait bien que tu passes un petit peu plus. C'est aussi ça, hein, à l'avant, hein, celles qui ont un petit peu d'expérience, hein, vont mettre un petit peu le forcing aux plus jeunes, hein, comme Margon Pampanon. Hein, on voit qu'elle lui a demandé de rouler
elle y va tout de suite. Hein. Donc ça peut jouer aussi sur la fin de course. Dernier écart qui serait toujours aux alentours des 30 secondes. Marie-Morgane Le Dinf, la Bretonne en dernière position. On rappelle qu'il y a deux Françaises dans ce groupe. Marie-Morgane Le Dinf ici avec le maillot rouge et en tête, en deuxième position. Elle vient de passer son relais. Il s'agit de Margot Pompanon, la concurrente de l'équipe Saint-Michel Aubert 93. Et Sylvia Zanardi en dernière position de ce groupe. Je la trouve beaucoup plus dans le contrôle que tout à l'heure quand l'échappée s'est faite. On voit l'expérience un petit peu de Sylvia Zanardi hein, qui mettait des gros relais pour que l'échappée prenne un petit peu de temps. Et maintenant, voilà, elle a plutôt tendance à passer son vélo et pas en faire plus que les autres. On a l'impression, qu'elle est moins active que d'habitude. Parce qu'on évoquait ce qui se passait tout à l'heure dans l'échappée, mais c'est une concurrente qu'on a régulièrement dans les échappées ou régulièrement en tête de peloton. Elle a l'habitude d'en faire beaucoup, énormément, Sylvia Zanardi. Elle se fait un petit peu oublier. Alors, est-ce que c'était une consigne qui a été donnée pour la concurrente de l'équipe Bipping, ou est-ce que finalement on est un petit peu moins forte aujourd'hui? On aura la réponse tout à l'heure. Hein. Oui, ou alors au contraire, elle a appris aussi un petit peu des erreurs qu'elle a pu faire et de se dire que finalement, si j'en fais peut-être un petit peu moins aujourd'hui, est-ce que ça va pas me sourire? Sylvia Zanardi, toujours placée, mais très peu gagnante. L'italienne de cette formation Bipping, on rappelle qu'elle a déjà terminé à la troisième place d'un classement général d'une épreuve similaire. C'était le Bretagne Ladies Tour Ceratizit début mai, celle qui est souvent sur les podiums d'étape, régulièrement dans les top 10, mais qui n'a pas l'opportunité, l'occasion en tout cas de lever les bras régulièrement. Mais en tout cas, on voit que son expérience là est intéressante dans cette échappée. Elle vient d'accompagner en mettant une petite tape là sur Marie-Morgane Le Dinf pour la faire passer le relais. C'est aussi ça d'avoir dans les équipes, on le dit, d'avoir des capitaines de route, c'est bien pour les courses à étapes, mais dans les échappées, ça fait aussi du bien d'avoir des concurrentes d'expérience. Oui, parce qu'en fait, une concurrente qui a un peu d'expérience sur ce genre d'épreuve et d'être à l'avant, ça permet de contrôler, de dire voilà, sur cette partie-là, il faut peut-être rouler un peu plus. Ici, on peut se permettre de récupérer un petit peu plus. On voit que Marie-Morgane, il y a des mimiques un petit peu de sur le faciès. On voit que elle n'est pas forcément dans... Ça tire la langue. C'est ça. On le voit depuis tout à l'heure, mais elle se fait mal. Elle arrive à sauter quelques relais pour récupérer un petit peu. Mais je pense que Zanardi, elle l'a vu et elle essaie justement de l'encourager pour qu'elle continue à passer des relais. Il n'y a que deux concurrentes qui ont les mains en haut. Il faut que Margot Pompanon mette les mains en bas pour me faire mentir. Il n'y a plus qu'une concurrente qui a les mains en haut, c'est Mireia Benito Pellissé. Ça montre bien aussi la volonté et le fait de rouler. Hein. Là, on roule vraiment, là, pour le coup. C'était peut-être pas le cas tout à l'heure, mais là, on a retrouvé vraiment une vraie organisation dans ce groupe de tête. Oui, et puis on est aussi sur une partie de route qui s'y prête beaucoup plus. Hein. Là, ça roule vite, il n'y a pas de pourcentage. Donc forcément, dès que ça roule un petit peu plus vite, on est plus à l'aise, peut-être pour certaines, de mettre les mains en bas et d'avoir un petit peu plus de force et de mieux passer finalement dans le vent. On se posait la question hier pour les différentes descentes. Comme les hommes, vous le constatez sur les vélos, c'est des freins à disque pour la plupart des équipes. Hein. Vous le voyez là sur la roue, c'est ce qui se fait maintenant depuis plusieurs années, plusieurs mois. Alors, est-ce que vous avez réussi à décrocher une 30? Une 30. Ah, ça commence à devenir intéressante. Merci à notre ardoisière qui nous indique l'écart à l'instant. Hein, 1 minute et 29 secondes. Ça commence à être intéressant. Ouais, hein. Mais je dis oui, mais regardez ces routes larges. Ouais, après, je pense que le peloton n'est pas encore dans l'optique de se dire on va rouler sur cette passage de belles routes. Si on arrive à avoir quelques images du peloton, on pourrait savoir dans quel état d'esprit finalement ce peloton est. Mais quand on voit qu'elles viennent de prendre 1 minute quasiment à la sortie de Lourdes, c'est qu'il y a eu un passage où ils se sont complètement relevés. Surtout qu'on rappelle les images que vous avez vues tout à l'heure de la longue ligne droite proche de la voie rapide où on apercevait tout le monde. On va les retrouver aujourd'hui. Hein. On va les retrouver avant de reprendre Lourdes, hein, sauf erreur de ma part. Donc ça risque aussi d'étirer, de donner des envies au peloton. Même un peloton résigné, finalement, pourrait apercevoir au loin et se dire ils sont peut-être pas si loin que ça. Ouais, tout à fait. Hein. Mais on voit que les visages, ils sont marqués, ils sont concentrés.
On sent que chaque fille qui passe des relais, il y en a qui sont beaucoup plus en difficulté. Hein. On voit à chaque passage de la caméra que Marie Morgan, voilà, elle a les dents serrées. Donc je pense que ça roule quand même à une bonne vitesse. Hein. On n'a pas eu la moyenne de la première heure, on va essayer d'avoir celle de la deuxième heure. On va approcher les deux heures de cours. Je vais demander à Philippe d'être vigilant là-dessus pour avoir une idée du rythme que les coureurs donc, eh bien, entament. Je rappelle, je dis coureurs, eux, parce que l'épreuve est organisée par l'AFCC, donc l'association française des coureurs cyclistes féminines, qui tout simplement a décidé d'utiliser le terme coureur-eux et non coureuse, comme on peut l'entendre sur certaines épreuves. Voilà, ça diffère, mais c'est bien le terme coureur-eux qui a été décidé et qui a été repris. Non, ce n'est pas une course de moto, je le précise. C'est bel et bien une course de vélo qui nous intéresse tout simplement aujourd'hui et tout ce week-end dans les Hautes-Pyrénées. Les départements 64 et 65 qui nous ont accueillis, qui nous accueillent encore aujourd'hui pour le dénouement de cette épreuve. Et un appui des collectivités locales, ça il faut le rappeler aussi, cette volonté d'accueillir le départ mais aussi les arrivées des différentes épreuves. On a vraiment l'envie et on est épaulé par les services techniques et ça c'est intéressant parce que quand vous voyez que tout le monde pousse pour que la course soit organisée, c'est quand même plus simple que quand on a des localités ou des communautés de communes qui parfois eh bien, empêchent. Alors je ne parle pas forcément ici mais c'est vrai qu'il y a certaines régions qui ne sont pas aidées pour la pratique du cyclisme et surtout l'organisation de différentes épreuves de haut niveau notamment. Allez, on prend un petit bidon, un petit ravitaillement pour Iris Monticolo. À savoir que, comme hier, en ce qui concerne le ravitaillement, Jennifer, il sera autorisé donc jusqu'au kilomètre 108,5. Ce sera à 500 mètres avant le dernier grimpeur, ce qui nous envoie eh bien, tout simplement à quelques kilomètres de l'arrivée, à 7 km de l'arrivée. Hein, donc. Voilà, on est aussi indulgent pour le jury des commissaires avec la chaleur qui est présente. On avoisine les 30 degrés, hein, le soleil qui tape. Et là, vous le voyez, autant on a à certains endroits des parties au bringé, autant on a aussi quelques fois donc endroits où le soleil est présent, alors que Sylvia Zanardi se dit hey, « oh, toi, tu vas venir passer le relais parce que à un moment, il va falloir que tout le monde roule. » Mais on a compris qu'on allait à la voiture aussi pour celle qui a ouvert la route pendant de nombreuses minutes et de nombreux kilomètres au début de l'épreuve, l'Espagnole Mireia Benito Pellicer, qui est désormais en dernière position de ce groupe et qui va dans quelques instants... Et bien remonté, alors qu'on prend les consignes aussi pour la formation Bipping. Sylvia Zanardi qui échange avec la direction sportive de son équipe. Et on sent que c'est elle la patronne de l'échappée. Hein. Dès qu'il y en a une qui roule pas, dès qu'on sent que c'est un petit peu en difficulté, hein, c'est tout de suite Sylvia Zanardi qui échange quelques mots ou qui essaye de faire passer celle qui ne passe pas. Retour sur la ligne d'arrivée ici à Lourdes. Vous le voyez, c'est tout plat. Une étape accidentée, mais on pourrait avoir un beau sprint tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on aura un sprint massif? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, une belle explication au sprint d'un petit groupe, ça semble le plus probable, même si on attendait une explication au sprint d'un petit groupe à Pau et que l'on a eu une concurrente en solitaire qui a levé les bras, Christa de Bellecoq, la concurrente qui domine tout simplement cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Jennifer, quand on évoque le scénario de la fin de course, quelle arrivée? Arrivée groupée, sprint du peloton, une concurrente solo, un petit groupe? Je pense qu'on va arriver sur un petit groupe quand même, hein, parce que même si on a une bosse quand même à très peu de kilomètres de l'arrivée, donc le dernier grimpeur, hein, il est
au 109e kilomètre. Je pense quand même qu'on va voir un petit groupe se détacher. Je ne vois pas la totalité de l'échappée. Mais je dirais 5-6 filles qui vont jouer la gagne. Donc un petit groupe issu de cette échappée-là. Donc le peloton ne revient pas. Selon le pronostic de Jennifer, vous êtes prêts pour les paris? On fera les comptes à la fin. Je dis ça, je vous rappelle que Jennifer avait pronostiqué la victoire au classement général de Nina Bujmann, qui est actuellement 7e du classement à 5 minutes et 27 secondes, et que je vous avais pronostiqué la victoire de Christa de Bell-Icon, qui est pour l'instant leader avec une minute d'avance. Voilà, au classement général. Après, écoutez qui vous voulez, bien sûr, hein, mais bon... Et vous, Antoine, quel est votre pronostic pour l'arrivée finale? Ah, moi, je vois bien une arrivée. Je pense qu'on va avoir un regroupement. Ok. Je m'attends à un regroupement du peloton. J'ai du mal à imaginer que du côté DF Education Tipco SVB, on n'est pas laissé, par exemple, hier la victoire à Ricarda Borfein, alors qu'il n'y avait pas de réel danger au classement général, et qu'aujourd'hui, on ne veuille pas gérer la victoire d'étape. On a gagné 3 étapes, je vois pas pourquoi on laisserait la 4e. Ouais, après la différence, c'est que là, ils n'ont pas pris l'échappée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas des jours précédents. Et là, il faut qu'ils se mettent à rouler. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir tout rouler, sachant que là, c'est pas que de la bosse, hein. Il y a quand même des bonnes parties roulantes. Je suis pas sûr qu'ils aient l'effectif pour ça. Ouais, mais pour le coup, les parties roulantes, ça les dérange pas trop, parce qu'on rappelle qu'ils ont un peu écrasé le contre-la-montre par équipe, hein. En fait, c'est vraiment l'équipe qui domine. Ouais, après, c'était la première étape. On est déjà sur la 4e étape. Est-ce que collectivement parlant, c'est aussi homogène que sur la première étape? On aura la réponse tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu le comportement de cette équipe qui va nous donner la réponse aux questions qu'on se pose, hein, et aux différents pronostics qu'on vous fait. Parce que si effectivement on se désintéresse de la victoire d'étape parce qu'on a le général acquis, on a du mal à imaginer le peloton revenir. On voit mal comment le peloton pourrait revenir. Ah, c'est ça. Je pense que clairement, c'est elles qui vont décider. Si elles vont jouer ou pas l'étape aujourd'hui, ou s'ils ont décidé de laisser le champ à l'échappée tout en contrôlant pour qu'il n'y ait pas trop d'écart non plus pour le classement général. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir aussi quel va être le bon moment pour réaliser un petit écrémage dans cette échappée à 9, où on l'a bien compris, les 9 ne sont plus si efficaces que ça. Oui, je pense que ça va se faire déjà dans cette première bosse, hein. Là, elles sont en bosse non répertoriée avant d'attaquer le grimpeur. Je pense qu'on va déjà commencer à sentir certaines filles comme Marie-Morgane Le Denf, malheureusement, on voit qu'il est déjà à l'arrière et qui va se replacer. J'ai vu qu'elle était avec son directeur sportif à la voiture, mais on sent que le coup de pédale, il est poussif. Sylvia Zanardi qui amène ce groupe, l'italienne de la formation Bipping, avec le maillot blanc et rouge de la meilleure sprinteuse, parrainée par Total Energy. Et Charlotte Bravard, hein, qui vient tout de suite voir Margot Pampanon, hein, pour donner quelques informations ou peut-être pour la ravitailler. Allez, la championne des États-Unis qui emmène désormais... je dis la championne des États-Unis, la concurrente des États-Unis. La championne des États-Unis, c'est parce qu'on a pris l'habitude hier de voir Emma Langlais, la plus combative de l'étape qui nous menait au col du Soulor. C'est bel et bien la concurrente Erika Klevenger, l'américaine, donc, que vous retrouvez ici en deuxième position. Alors que l'écart annoncé à l'instant de Jennifer est de 2 minutes. 2 minutes pour cette échappée, ça commence à devenir sérieux. Alors qu'on a l'impression que ça devient compliqué pour nos deux Françaises. Margot Pompon Panon qui discutait peut-être juste avec la direction sportive de son équipe qui remonte, mais on n'aime pas trop voir là les Françaises en dernière position de ce groupe. Bon, pour l'instant Margot Pompanon, elle fait quand même bonne figure, hein. On l'a pas vu en difficulté, on sent que le coup de pédale est quand même fluide, donc je pense qu'il y a de la fatigue, mais elle a l'air encore présente, hein. Moi c'est plus Marie-Morgane Le Denf qui me fait peur sur l'attitude générale qu'elle a pu nous montrer pour l'instant, donc faudrait qu'elle puisse passer au moins ce grimpeur-là. Après, il y aura la descente. Et puis là, c'est dans le dernier grimpeur que ça va se jouer. 2 minutes de retard pour le peloton que vous avez à l'image il y a quelques instants, avec un maillot jaune très très bas dans le peloton, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Et un peloton qui occupait toute la largeur de la route dans cette bosse.
La concurrente américaine qui réalise un beau travail hein, dans ce grimpeur. Hein. Ouais, on sent que ça tourne plutôt bien. Elle a pas l'air d'être en sur-régime. Elle s'est mise à son propre rythme. Et Sylvia Zanardi, encore présente, qui va peut-être changer le rythme. En tout cas, c'est une nouvelle fois elle qui fait la meilleure impression, alors qu'on a vu que c'était compliqué ici, notamment à l'arrière du peloton pour Chloé Schoenberger, pour le Stade Rochelet Charente-Maritime. L'écrémage qui continue de se faire hein, à l'arrière du peloton. Mais on sent que ça roule moins vite hein, que sur le premier passage, hein, parce que dès les premières rampes tout à l'heure, on avait déjà des grappes de ouais. filles qui étaient en difficulté. Là, c'est une, deux, voire trois. Mais peut-être l'instant. Peut-être aussi que celles qui étaient les plus justes ont déjà été distancées et ont formé un petit groupe à l'arrière aussi. Ah oui, c'est aussi possible dans ce cas-là, mais on sent que le peloton, il est quand même sur toute la largeur de la route. Hein. Donc ça donne quelques annonces quand même sur la vitesse du peloton. Toujours 9 concurrentes en tête. Si vous nous rejoignez en direct sur Sport en France, sur la page Facebook de l'organisation de ce CIC Tour Féminin International des Pyrénées, nous vivons la quatrième et dernière étape. C'est le dénouement, c'est l'épilogue de ce week-end international, et nous avons actuellement 9 concurrentes au commandement avec la concurrente des États-Unis Erika Klevenger qui est en train d'amener. On retrouvait également pour la formation Top Girls face à Bortolo à l'avant Iris Montico, présence de la chilienne Catalina Sotos Campos. Francesca Piscali est en deuxième position, on l'a vu tout à l'heure pour le team Mendespec. On a vu Margot Pompanon revenir sur la droite de votre écran pour la formation Saint-Michel Aubert 13, la concurrente de Lettonie de l'équipe Enicat RBH Global, Lyra Leizene, est également de la partie. Et puis nous avons la présence de Sylvia Zanardi, à l'italienne de la formation Bipping, dont on vous parle depuis plusieurs minutes. Nido Pellicer, sans oublier Marie-Morgane Le Dinf. Voilà les 9 concurrentes de tête qui ont 2 minutes d'avance sur le peloton amené par la formation IF Education Tipco SVB. Et toutes les concurrentes de l'équipe sont là, hein. On les a vues, et la maillot jaune qui est en train de remonter. Et on voit que les équipes hein, des fuyardes, hein, elles sont bien cachées derrière les 3 concurrentes de l'équipe IF. Donc ça montre aussi cette importance de dire que ok, on est là derrière pour couper, et sans qu'il y ait forcément d'autres équipes à venir les aider pour mettre le rythme du peloton. Et on aperçoit ici la présence donc des différentes concurrentes de cette formation IF Education Tipco SVB, avec une jeune que l'on surveillera, on vous en a parlé tout à l'heure, avec la belle photo des vaches, Zoé Backstead, qui a été un petit peu embêtée voilà, par les résidents du col du Soulor. Et on a également Emma Langlais, que vous apercevez avec le maillot de championne des États-Unis en 3e position là sur l'écran de droite. Et on aperçoit ici qu'avec le rythme imposé par l'équipe IF Education Tipco SVB, bah l'écart se réduit un petit peu dans cette bosse. Écart 1 minute et 30 secondes. Elle est coéquipière de la maillot jaune Christa Debalikok, qui commence à avoir vraiment une importance sur l'écart. Ouais, on sent rien qu'à la vitesse hein, que tout à l'heure, c'était pas du tout la même vitesse pour l'échappée, qui est plutôt dans la gestion de cette bosse, alors qu'au contraire l'équipe leader a plutôt l'intention de réduire un petit peu cet écart. Des voitures qui passent, ouais, c'est étonnant que certaines voitures n'étaient pas encore présentes à l'arrière depuis le temps qu'elles sont représentées. Après, des fois, elles ont tendance à faire l'aller-retour, l'aller-retour hein, tout simplement, parce qu'il n'y a qu'une seule voiture en course. Donc forcément, bah, s'il y a besoin de ravitailler aussi pour X raisons et que les assistants ont été dépassés, bah, il faut s'arrêter pour pouvoir ravitailler les filles qui sont à l'arrière. Surtout que là, il y a du boulot en ravitaillement. Hein. Il fait chaud, ouais. Il fait très très chaud. Très très chaud, que ce soit les boissons. On voit beaucoup également de concurrentes qui s'arrosent avec de l'eau. Alors que les concurrentes vont passer au ravitaillement ici pour la formation IF. Et on est bien présent hein, pour la formation Arkea pour casser également quelques rythmes. On apercevait quelques concurrentes du Centre Mondial du Cyclisme. C'est dommage d'avoir loupé la bonne hein, pour l'équipe de l'UCI, parce qu'elles étaient présentes, elles étaient très attentives hein, depuis le début de course. Oui, c'est ça, on les a souvent vus à l'avant du peloton, même être offensifs, et malheureusement, bah, elles se sont fait contrer. Et bah, sur le contre, c'est la bonne échappée qui est sortie. Ah,
Tiens donc, on va casser un peu là ici avec la formation Arkea Pro Cycling Team. On va essayer de faire pareil avec la formation Saint-Michel-Aubert 93 peut-être qui remonte. Je pense plutôt que c'est en train de rouler. Hein. Ils ont dû avoir l'information que Marie Morgan n'était pas forcément dans un meilleur, le meilleur jour ou alors un petit peu en sur-régime. Donc ils vont peut-être vouloir essayer de réduire un peu l'écart pour essayer de rentrer. Il n'est pas un petit peu tôt là pour la formation Arkea pour faire l'effort. Je partage hein, votre analyse, mais est-ce qu'il tôt là pour cette équipe bretonne. Après le souci c'est qu'il y a quand même 2 minutes hein. Donc 2 minutes il va falloir, faut quand même les boucher pour pouvoir derrière, sachant qu'une fois qu'ils auront passé le grimpeur c'est de la descente hein. Ils vont repasser une deuxième fois dans le petit aspin et c'est moins dur, donc pour faire la différence c'est plus compliqué. On va récupérer l'hélico, vous l'avez vu au sol, ne vous inquiétez pas, il va redécoller dans quelques minutes. Et c'est ça la bonne nouvelle qui va nous permettre d'avoir des pointages également réguliers entre l'échappée et le peloton amené. Tiens donc, ça faisait longtemps, de toute façon c'est soit elle est placée dans les dernières positions, soit elle amène le peloton. Notre maillot jaune, Christa de Ballycock, la porteuse du maillot jaune parrainée par le CIC. Vous le voyez ici sur la partie gauche de votre écran au moment où nous allons retrouver eh bien, les... la concurrente au maillot jaune, effectivement, qui suit la ligne jaune. Vous avez vu si c'est pas beau ça? Deux heures et quart de course, les concurrentes qui continuent vers l'est de Lourdes, Bagnères de Bigorre. On va relonger, on va aller en tout cas en direction de Bagnères de Bigorre pour redescendre ensuite vers le sud avant de eh bien, prendre les routes parallèles à celles prises il y a quelques instants et rejoindre Lourdes par le sud. Hein. C'est vraiment l'est et le sud de Lourdes qui nous intéressent et qui sont le théâtre de cette quatrième et dernière étape, alors que vous apercevez actuellement l'ensemble de la formation IF Education Tipco SVB avec l'ensemble de ses concurrentes. Zoé Backstage, je vous disais, la double championne du monde junior, Sarah Poitvin, la canadienne, Clara Ossinger qu'on a vu également beaucoup travailler depuis le début, et puis Emma Langlais, la championne des États-Unis, sans oublier Emily Newsom, la capitaine de route qui a été la première porteuse du maillot jaune de première au classement général, alors que cette échappée où on aperçoit dans les dernières positions la présence de Marie-Morgane Le Dinf est en train en tout cas d'être de moins en moins efficace. Il va falloir faire quelque chose, Jennifer. 1 minute et 10 secondes, le peloton continue de se rapprocher dangereusement. Ouais, à l'avant il va vraiment falloir peut-être tenter des choses hein, parce que là on voit qu'il y a tout le monde arrive à suivre hein, même celles qui sont un peu en difficulté, donc c'est que le rythme il n'est pas assez important pour garder l'écart par rapport au peloton et surtout pour que les filles en difficulté sautent. Ouais, avec des nouvelles concurrentes qui vont venir en tête de peloton, de nouvelles équipes également. En tout cas, la concurrente des États-Unis qui est là également pour casser le rythme. Mais c'est bien l'équipe IF qui réalise le plus gros du travail. Et on voit que le vent souffle un petit peu quand même, alors qu'on a un petit souci mécanique ici dans le peloton avec Morgane Coston qu'on avait vu dans la première échappée le premier jour. C'était à Pau. On apercevait dans les dernières positions du peloton il y a quelques instants la présence de Yulia Biryukova, la concurrente ukrainienne. Et là ça descend vite, hein. On voit que tout de suite on a les mains en bas hein, pour beaucoup. Hein. On est plus à l'aise dans les virages pour bien regarder loin devant pour passer les courbes le plus vite possible. Et on profite de cette descente aussi pour essayer de réorganiser cette échappée hein, parce qu'on a vu que depuis quelques minutes c'était pas le rythme le plus élevé qui était imposé, quelques filles ne passaient pas, mais là on a retrouvé un rythme assez important pour cette échappée. Je pense qu'elles ont les informations hein, dans les oreillettes hein. On leur indique que l'écart est en train vraiment de diminuer assez rapidement. Donc est-ce qu'on va pas voir dans la prochaine une Sylvia Zanardi passer à l'offensive?
Allez, on vient de sortir de Montgaillard pour les concurrentes de tête. On en profite pour faire un petit ravitaillement ici. Pas de souci pour la formation Top Girls, la formation avec ici celle qui était dans les qui a été une des premières attaquantes du jour, Mireia Penito Pellicer. Et le peloton qui accélère encore. Ah, l'équipe IF Education Tipco SVB qui met en route et qui profite de cette descente pour étirer totalement le peloton. On voit que le rythme est complètement différent par rapport à l'échappée. Hein. Là, il y a vraiment cette envie d'aller récupérer l'échappée pour se jouer la victoire finale. Hein. Ouais. La volonté de l'équipe IF, mais attention parce qu'on évoquait la minute il y a quelques instants, la minute et les 10 secondes, là il y a moins d'une minute. Hein. On les a vus sortir de Montgaillard également là il y a un petit instant. On est en train de se ravitailler à l'avant, mais il va peut-être falloir réagir, va peut-être falloir attaquer, tenter des choses, mesdames, à l'avant, parce que là c'est le TGV Rose qui est sorti derrière avec l'équipe IF Education Tipco SVB. Mais attention à ne pas rentrer trop tôt si on veut jouer la victoire d'étape, parce que là on n'est pas à l'abri. Donc il reste encore bien plus de 45 minutes de course. On vient de passer Montgaillard, on est à 35 800 km de l'arrivée. Là on est bien parti pour rentrer au sommet du deuxième grimpeur, de l'avant-dernier grimpeur pardon, qui est à 27 km de l'arrivée. On peut avoir encore des comptes qui sortent derrière. Hein. Ah bah c'est ça aussi le jeu, hein, c'est de se dire on rentre sur l'échappée, mais si on rentre trop tôt et pourquoi pas avant le dernier grimpeur, bah on s'expose tout de suite à des contres, sachant que là elles ont mis vraiment le peloton en file, donc il y a des filles qui vont avoir besoin de récupérer et d'autres qui étaient bien calées dans la roue de l'équipe IF, donc forcément ça pourra donner quelques idées à certaines équipes. L'écart qui n'est désormais plus de 1 minute, c'est ce qu'on disait, 60 secondes d'avance pour les 9 concurrentes de tête sur le peloton amené par l'équipe IF Education Tipco SVB. On ne se pose pas de questions, on demande de l'aide à personne, c'est l'équipe au maillot rose qui roule, l'équipe qui a dominé, qui a remporté les 3 premières étapes. Ah franchement là, on disait hein, de toute façon il y a quelques instants que c'était elle qui avait les clés de la course, là elle nous montre qu'elles ont envie de rentrer. Bah là, l'annonce elle est directe, hein. Je pense que devant, on leur a dit, voilà, ils ont mis en route. Maintenant, est-ce que devant, elles sont capables de pouvoir réaccélérer si elles ont bien géré un petit peu leurs efforts? Bah, on va vite le savoir. Hein. Si on arrive déjà à 30 secondes, ça va devenir très, très, très compliqué. Et puis on peut imaginer que cette échappée se coupe en plusieurs maillons avec cette côte qui va nous intéresser toujours dans quelques instants, mais on n'est pas tout près, hein, on est encore à une dizaine de kilomètres. Hein. Et quand on sait que généralement ce qui est dit c'est une minute aux 10 km qui peut être pris, bah on se dit ouais, va pas falloir trop se regarder quand même à l'avant. Hein. Ah non non, ça c'est sûr, hein, mais. Ah voilà, je pense que ça va bouger un petit peu à l'avant. Enfin, j'ose espérer que ça va bouger un petit peu. Bah pour elle, de toute façon, il n'y a plus le choix. Les concurrentes qui sont du côté de Trébons, là, il y a quelques instants, on va rejoindre Neuil pour rejoindre la côte de Neuil avant de redescendre direction Saint-Créac, Lugagnon, et avant de rejoindre Aspin. On parlait tout à l'heure des attitudes un petit peu sur les vélos et là on le voit, hein, tout à l'heure tout le monde les met en bas, la tête un peu ramassée, et là au contraire elles ont toutes les mains en haut, pas du tout finalement dans l'effort maximal. Ouais, et puis on a le temps, alors oui vous allez me dire c'est important, mais là on a pris pendant encore quelques minutes là le temps presque tout en même temps en plus d'aller au ravitaillement. Souvent on essaye d'aller une par une pour laisser de la productivité à cette échappée, rentrer, une autre y va, que là ils étaient 2 à 3 à aller chercher les bidons, donc c'était assez étonnant. Est-ce qu'on y croit encore dans cette échappée? Normalement, tant qu'on est à l'avant, j'ose espérer qu'on y croit encore. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent un petit peu un moment de flottement qui a été quand même assez long dans cette échappée. Elles ont peut-être eu besoin aussi de récupérer un petit peu. Maintenant, il faudrait pouvoir commencer à batailler et surtout d'essayer de maintenir finalement cet écart avec le peloton pour leur montrer que elles en avaient gardé un petit peu sous la pédale. Le groupe de contre avec tout simplement le gouvernail qui est pour la concurrente italienne Francesca Piscali. Juste devant vous aviez Marie-Morgane Le Dinf. Et là le peloton, et on se pose pas de questions, l'allure, le changement et la différence d'allure entre les deux est impressionnante. Hein. Ah ouais, on voit tout de suite vraiment que,
que devant dans le peloton, hein, on n'est pas là pour rigoler et on voit cet effet de vitesse beaucoup plus importante que sur les écrans quand on est sur l'échappée. On va profiter hein, d'avoir les deux caméras pour essayer d'avoir quelques écarts entre les deux groupes qui nous intéressent parce que on le sait, hein, Jennifer, il y a des groupes encore un petit peu plus loin, mais ça va être difficile maintenant alors que l'écart serait de 55 secondes hein, désormais entre la tête de course et le peloton. On profite de l'hélicoptère qui est revenu à nos côtés et qui va nous permettre de vivre le final de cette épreuve. Et pour l'instant, ouais, les concurrentes qui étaient à la limite de la rupture tout à l'heure parviennent à tenir hein, le rythme et parviennent à rester dans cette échappée. C'est vraiment ce qui nous montre la différence finalement d'investissement entre l'échappée et le peloton finalement qui lui, on sent vraiment cette envie de vitesse et ce côté où on veut absolument rentrer devant. On va profiter de cette vue pour laisser l'hélico attendre le peloton avec les concurrentes de tête peut-être dans quelques minutes pour faire un petit pointage. Toujours est-il que l'équipe IF est toujours présente avec d'autres formations qui viennent l'épauler. On est peut-être entré là dans une autre physionomie de la course. On a peut-être laissé pas mal de cartouches, mine de rien aussi. Peut-être un petit moment de répit pour la formation IF, même si le rythme est toujours important. Le rythme est toujours important, mais on les voit se parler entre elles. On voit que tout le monde est en train de remonter. Donc je pense que là, ça va lever un petit peu le pied. Donc peut-être juste pour maintenir... Ah. Ouais, bah c'est pour ça que ça lève le pied, la chute à l'instant d'Emily Newsom, la capitaine de route de cette équipe, celle qui était la première à avoir porté le maillot jaune de première au classement général après le contre-la-montre par équipe qui avait été remporté par cette formation IF Education Tipco SVB. Alors a priori, cette concurrente américaine victime de la chute, pas d'autre concurrente. Est-ce qu'il y a eu un souci mécanique? Est-ce que c'est un manque d'attention? Ça explique pourquoi le peloton reprenait toute la largeur de la route, parce qu'on se disait étonnant quand on a vu l'allure emmenée par les concurrentes de la formation IF. Et là il y a un petit écart quand même, là va falloir rentrer parce que le peloton est déjà sorti. Ah, c'est étonnant de voir une, alors si c'est une chute, de voir cette chute à ce moment là Piquel. Alors est-ce qu'après les autres se sont relevés déjà et que nous arrivons seulement maintenant sur la chute? C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emily Newsom, la capitaine de route de cette équipe, l'américaine, a été victime d'un petit souci et donc va avoir du mal à revenir sur le peloton, mais on va peut-être l'attendre pour travailler. Mais ça va peut-être relancer cette échappée. Ça risque sûrement même de relancer l'échappée. Ils vont reprendre peut-être un petit peu de temps parce que on a vu justement qu'il y avait vraiment le peloton qui prenait la largeur de la route, ce qui veut dire que potentiellement ils vont reprendre 10-15 secondes peut-être très facilement. Et si vraiment ils l'attendent, effectivement ça peut remonter au-dessus de la minute 30 et redonner l'envie finalement à l'échappée de mettre en route. Et on va profiter de ces quelques instants pour écouter notre maillot rose, celle qui a terminé deuxième de l'étape hier, Ricarda Borfain de l'équipe Canyon SRAM Generation, qui était placée. On l'a vu beaucoup en début de course, on ne la voit pas. On va avoir sa réaction donc au micro de Jade Sadmi sur l'étape d'hier au col du Soulor et peut-être sur ses ambitions sur cette quatrième et dernière étape. On écoute tout de suite Ricarda Borfain. Donc tu as fait très forte impression aujourd'hui, tu as réussi à suivre le maillot jaune, mais après tu l'as laissé partir. Qu'est-ce qui s'est passé? You managed to follow the attack of the yellow jersey and then you let her go. What happened? Yeah, she was so strong and she attacked on the last 500 meters, so I tried to follow her but I was already done. Elle était tellement forte qu'elle a attaqué dans les 500 derniers mètres, mais malheureusement, je n'ai pas pu la suivre. C'est quand même une très belle seconde place pour toi. Still is a beautiful second place for you. Yeah, of course. On the first climb, I had a puncture, so I was a little bit stressed, but then I managed to come back and yeah, it's still a second place, so I'm very happy about it. Au début, j'étais assez stressée par la montagne, mais bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc je suis très heureuse de cette seconde place. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much.
Donc tu as fait très forte. Ricarda Borfain qui sera à surveiller, pourquoi pas dans le final, pour aller à la bataille des places de deuxième. Elle est troisième actuellement du classement général, elle a 33 secondes de retard, mais il y a trois concurrentes pour deux places sur le podium avec 35 secondes d'écart, alors qu'à l'avant c'est en train de bouger. La concurrente des États-Unis, Erika Klevenger, est en train de sortir avec Sylvia Zanardi. On est dans ce fameux grimpeur et il est temps de faire quelque chose parce que le peloton s'approche dangereusement, Jennifer. C'était sûr, hein, ça allait forcément bouger à l'avant. Hein. On a vu des filles qui étaient entre guillemets en sous-régime, d'autres qui étaient en sur-régime. Et ben là, on voit que les meilleurs ont décidé de faire dynamiter un petit peu cette échappée. Et je pense que c'était absolument nécessaire si elles veulent se jouer la victoire d'étape. Et pour l'instant, nos deux Françaises ne sont plus là. Nos deux Françaises n'arrivent plus à tenir le rythme. C'est terminé depuis un petit moment pour Marie-Morgane Le Dinf. C'est terminé pour Margot Pompanon qui peut espérer revenir. Mais elles ne sont plus que quatre au commandement. L'américaine Erika Klevenger, la concurrente de la formation Bipping, Sylvia Zanardi. Alors qu'on va retrouver dans un petit instant ces quatre concurrentes, on le disait, au commandement. Et il sera intéressant hein, également de suivre le comportement du peloton dans cette montée, savoir si on attend réellement donc Emily Newsom, alors qu'on a vu que c'était désormais terminé hein, pour Catalina Sotoscampos. Marie-Morgane Le Dinf également qui a du mal à suivre le rythme. Ouais, Marie-Morgane qui se fait quand même très très mal hein, là-dessus. Pour l'instant, elle n'a rien lâché. On aperçoit quand même les groupes devant. Hein, donc, elle n'a pas littéralement explosé. Mais elle est toujours à quelques centaines de mètres derrière. La Sotocampos, les deux premières. Et le peloton ouais, il est là. Hein, on disait une minute. Il n'y a plus une minute là dans cette bosse. Alors, attention, c'est sur les deux concurrentes distancées. Margot Pompanon, c'est terminé pour elle. Dans les roues quand même des poursuivantes, mais elles sont là, les quatre concurrentes au commandement, avec Sylvia Zanardi qui emmène, avec la concurrente des États-Unis, on rappelle Erika Klevenger. On a peut-être dans cette équipe Iris Monticolo pour la formation Top Girls face au Bortolo dans les premières positions, alors que ça va peut-être rentrer là ici. Et la caméra qui est écrasée avec le peloton. Il faudrait qu'elle puisse passer le virage hein, pour que le peloton les voit pas, mais ça va être vraiment juste. Hein. C'est presque fait. Mais bon, ça remonte derrière, elles vont les voir. Et la formation Arkea qui est prêt à remettre une cartouche hein. On a vu que Marie-Morgane était là. Donc forcément on roule aussi dans le peloton. Ce qu'on disait tout à l'heure. Dernier écart, 30 secondes entre les quatre concurrentes de tête et le peloton que vous avez ici. Et attention parce que regardez, un maillot que l'on n'avait pas vu ces dernières minutes, c'est la formation Human Power Hills, la formation du Women's World Tour qui se place actuellement dans les premières positions. Alors je cherche le maillot distinctif bleu et vert du classement par points de Eri Yonamine hein, qui est deuxième du classement général. Et on l'aperçoit un petit peu plus loin effectivement dans le peloton, mais elle est toujours là, deuxième à 1 minute et 5 secondes. On l'aperçoit ici en tout cas sur la partie gauche. Iri Monticolo pour la formation Top Girls qui est distancée. Margot Pompanon qui revient petit à petit. Hein. Ouais, elle a bien lissé son effort. Hein. Elle a bien lissé son effort pour l'instant. C'est sorti fort. Elle n'a pas été capable d'y aller. Mais du coup, elle monte à son rythme. C'est terminé aussi pour Mireia Penito Pellicer qui va revoir Margot Pompanon dans un petit instant. C'est bien là ce que fait la concurrente de Saint-Michel-Aubert 93. Elle s'est pas laissée surprendre, elle savait qu'elle était dans le rouge et qu'elle ne voulait pas tenir le rythme des concurrentes de tête. Elle s'est dit, moi, je vais monter à mon rythme, mais je vais monter, on verra ce que ça donne. Et pour l'instant, ça donne bien, parce qu'elle va revenir peut-être sur les trois concurrentes. Ouais, bah, la concurrente de tête, hein. Sylvia Zanardi est au-dessus. Sylvia Zanardi est au commandement avec Francesca Piscali, ici en dernière position pour le team Mendelspeck, juste devant elle, Erika Klevenger. Ouais, n'oublions pas hein, Margot Pompanon, hein, si elle arrive à basculer pas très très loin, c'est une très bonne descendeuse, hein, elle nous l'a montré tout à l'heure, et on va descendre justement juste pour revenir tout simplement sur Lourdes, hein. Donc c'est pas fini encore pour Margot Pompanon. Hein. Enfin sur Lourdes, on a encore un grimpeur si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, donc c'est pas fini, mais la souffrance est loin d'être finie non plus. Et le peloton est au pressing, le peloton est à seulement 30 secondes du trio de tête. Ah, on aimerait bien avoir une victoire française quand même sur ce tour international des Pyrénées.
Oh là là, ça revient de derrière. Alors où on en est? Yulia Birkova? Bah non, Yulia, elle porte le maillot blanc à pois rouge, Yulia Birkova. Et là, c'est un maillot de l'équipe Arkea qui est en train de monter. Il y a une attaque dans le peloton. Il y a une attaque dans le peloton. On apercevait des concurrentes. On apercevait Morgane Coston peut-être hein, dans les premières positions. L'équipe Arkea qui amène, en tout cas, c'est une certitude. Avec dans la roue Sylvia Zanardi. Dans la roue également la concurrente des États-Unis, Erika Klevenger, qui a été à l'attaque tous les jours aussi. Beaucoup de chapeaux à la concurrente américaine. On va avoir le retour ici, sauf erreur de ma part. On était avec, je sais pas si c'est l'Espagnol Mireia Penite Pellicer qui avait réussi à lisser son effort comme Margot Pompanon pour revenir. Bon, en tout cas, ouais. C'est Morgane Coston, elle a fait une sacrée impression parce qu'elle est revenue à une vitesse. Bah, je vois mal imaginer Marie-Morgane Le Dinf revenir, elle s'est fait reprendre. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas Morgane Coston, il n'y a pas beaucoup de choix dans cette équipe Arkea, puisqu'on le rappelle, Lucie Jounier s'est fait distancer. A priori, c'est pas Tiffaine Laurence parce que les cheveux avaient l'air noirs, sauf erreur de ma part. Donc, ça nous donne une bonne indication. Ah ben, on fait comme on peut, hein. On fait avec les moyens du bord là. Et puis c'est pas trop le terrain qui l'avantage. Toujours est-il, on pourrait retrouver Morgane Coston peut-être. En tout cas, c'est rentré, hein. Ça c'est sûr, dans le peloton. Et la concurrente de l'équipe Arkea qui est en train de mener très fort. Morgane Coston, confirmation de Morgane Coston qui était dans la première échappée. On sait que, alors qu'on va passer à 500 mètres du classement de la meilleure grimpeuse, on sait que Morgane a eu du mal dans la première étape, peut-être parce qu'elle a passé trop de temps dans l'échappée. Là, elle s'est dit peut-être que si je sors au dernier moment ou un petit peu plus tard, je réussirai à tenir le rythme imposé dans cette échappée. Bah, elle a bénéficié du coup de l'avantage qu'ils avaient avec... avec Marie-Morgane à l'avant, donc c'était plutôt bien. Et derrière, elle a profité du travail de l'équipe IF, justement, pour se rapprocher le plus possible de l'échapper et de faire le tour, finalement, d'un peur. Alors qu'en dernière position, regardez, ça, c'est quand même la grosse perf. Hein. C'est Mireia Penito Pellicer, l'Espagnole de la formation Massy Tactique Women's Team, qui était toute seule. Elle a fait presque 15-20 bornes toute seule à l'avant. Et là, elle se retrouve encore à suivre le rythme imposé par les meilleurs de cette échappée. Elles sont 4 à l'avant. Nous avons donc le retour du peloton de la concurrente d'Arkea Pro Cycling Team qui est tout simplement Morgane Coston. Juste dans la roue, vous avez ici avec la formation Bipping le maillot blanc et rouge de meilleure sprinteuse sur les épaules de Sylvia Zanardi. Troisième position pour la formation Massy Tactique Mireia Penito Pellicer, alors que ça devient difficile pour l'Espagnol. Et dans la roue, la concurrente américaine, Erika Klevenger, qui était dans le groupe de tête, ne parvient plus à suivre. Ah, elles vont peut-être basculer qu'à deux au sommet de cette côte. Elle en remet une couche, hein. Elle leur fait vraiment très très mal ici. Hein. Et peloton, du coup, qui après l'attaque de Morgane Coston, et conserve l'écart, 33 secondes. Et bien amaigri. Hein. Ouais, oh la vache, elles sont plus que 20. Ouais, ça fait bizarre là, de retrouver ça. Avec la formation Biscaya Durango qui roule aussi. Rappel, elles ne sont plus 4 depuis hier, hein, la formation Biscaya Durango. Ouais, ils vont rouler un petit peu là pour Greta Marturano. Hein. On rappelle, hein, Greta Marturano pour la formation Top Girl, hein, Jennifer. Hein. Là, on était avec la formation Biscaya Durango qui vont aller chercher une place dans les étapes. Attention, parce qu'elles ne sont plus qu'à 4. Il y avait une concurrente dans l'échappée avec Catalina Sotocampos. C'est pourquoi elle ne roulait plus. Mais on a, pourquoi pas, l'envie de se placer parce qu'on a deux concurrentes dans le top 30 quand même. Hein. Et quand on voit le nombre de concurrentes dans l'échappée, dans le peloton, pardon, elles roulent aussi peut-être pour éviter le retour de certaines. Bah, on n'a pas pu voir finalement qui était ou pas dans ce peloton-là, hein, mais moi j'ai pas aperçu Coralie Demey. Alors est-ce qu'elle fait partie des filles qui ont sauté dans ce grimpeur-là? Ça serait la mauvaise nouvelle du jour.
On rappelle, nous avons deux Françaises dans le top 10 du classement général provisoire. Coralie Demey occupe la 5e place à 4 minutes et 22 secondes. Et bien nous avons également Morgane Coston qui est à 7 minutes et 30 secondes. C'est une belle opération que peut faire Morgane parce qu'elle a 30 secondes de retard sur la 8e place. Par contre, après, pour rentrer dans le top 7, bah, il y a quand même 2 minutes. Hein, 1:30, au moins 1:30 en tout cas à aller chercher sur une certaine Emma Langlais qui était toujours là hein, pour la concurrente championne des États-Unis, mais qui ne vise pas forcément une place dans le top 10, même si on sait qu'elles sont bien placées au classement par équipe aussi. Elles n'occupent pas la place de leader, mais elles ont une petite minute de retard sur la première équipe, donc pourquoi pas vraiment dominer jusqu'au bout le CIC Tour Féminin International des Pyrénées, première édition que nous vivons ensemble en direct sur Sport en France, avec pour cette dernière étape 3 concurrentes au commandement. Elles ne sont plus que 3 à l'avant. Morgane Coston de l'équipe Arkéa Pro Cycling Team qui est en train d'amener. Deuxième position pour Sylvia Zanardi. Et la troisième, c'est là qu'on fait des paris. Est-ce que nous sommes avec Mireia Penito Pellicer peut-être? Si, c'est ça. Parce que la concurrente états-unienne est un petit peu plus loin. On va la retrouver. Erika Klevenger qui va peut-être rentrer. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Tout dépend de comment ça va rouler à l'avant. Des routes un petit peu moins larges que tout à l'heure qui favorisent, on va dire sur le papier, les concurrentes de tête, même si on a quand même une belle visibilité. Hein. Ouais, ça creuse quand même là. On va refaire un pointage peut-être avec Philippe, mais là il y a plus de 30 secondes. Ouais, ça creuse. Hein. On voit Morgane Coston, elle compte pas ses efforts. Hein. Elle est quand même très très poussive dans ses relais. La preuve, elles étaient 4. Elle a réussi à en faire sauter une qui est revenue ensuite dans les roues, mais ça roule très très fort à l'avant. Morgane Coston qui, sur le papier, a 3 minutes de retard sur Coralie Demey. Il y a peut-être aussi cette place-là, une petite guéguerre entre Françaises, alors guéguerre interposée forcément, alors que ça y est, elles sont de nouveau 4 à l'avant. Morgane Coston qui amène l'Espagnole Mireia Benito Pellicer dans la roue, 3e position Sylvia Zanardi et 4e position avec Erika Klevenger. Et dans le fond, on a l'impression que l'équipe IF est un petit peu moins puissante dans ses efforts. Ouais, ils ont reculé un petit peu. Hein. On n'a pas trop vu dans les images qu'on avait du peloton si elles étaient toutes de nouveau représentées dans ce petit groupe. On a l'impression même que ce peloton est en train de s'étoffer à nouveau. C'est possible dans la descente que certaines filles fassent leur retour dans le peloton. Bon, j'ai aperçu deux maillots de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Hein, donc, je ne sais pas si c'est Coralie Demey ou Camille Failly, hein, mais en tout cas, elles sont deux. On sait qu'il y a Margot Pompanon, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas quelle est la deuxième fille avec elle. Alors, on adore Camille Failly, mais on espère que ce soit Coralie Demey qui est mieux placée au classement général. Allez, de nouveau la formation IF qui revient avec la formation Biscaya Durango hein, qui est non représentée, on rappelle, à l'avant, qui essaye de faire quelque chose. En tout cas, c'est toujours les mêmes équipes. Hein. La formation états-unienne qui était présente tous les jours dans les échappées. Belle performance, hein, notamment Erika Klevenger hein, que l'on retrouvait. C'est souvent elle d'ailleurs hein, que l'on citait dans les différents communiqués. Je vous parle pas de Sylvia Zanardi, hein. Vous commencez à connaître son nom par cœur pour l'italienne. On se serait même peut-être inquiété de ne pas l'avoir devant aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça aurait été un petit peu difficile pour celle qui était présente sur les différentes premières positions des Coupes de France, notamment. Hein. On pense au Grand Prix du Morbihan à Grandchamp. Alors que la descente est bel et bien lancée aussi pour le peloton et la formation IF qui refait son apparition dans les premières positions avec la maillot jaune Christa de Bellicoque qui est en deuxième position. Ouais, ça fait la descente hein, quand même derrière, hein. On sent qu'il y a un petit peu le feu là.
On a l'impression aussi que le rythme s'est un petit peu réduit en tête de course. Oui, après, j'ai pas l'impression qu'elle soit sur le même genre de parcours. On a l'impression que ça monte légèrement, alors que sur l'impression que ça donne de la moto, on a l'impression qu'elle descend ou alors elle roule tellement vite. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas si c'est dû au peloton qui se regarde un petit peu ou à la puissance de l'échappée. L'écart est remonté à 1 minute. Ouais, 1 minute, ça commence à être intéressant, hein. Hey, Morgane Coston, belle opération en tout cas, hein, parce qu'on parle de la victoire d'étape, du gain de l'étape, mais on parle aussi du général. Hein. Elle était en 9e position, elle pourrait faire son apparition dans le top 8 peut-être. Faut pas grand-chose. Mais on a bien vu tout à l'heure que la volonté d'IF de revenir sur l'échappée, c'était pas juste pour le plaisir de contrôler, c'est qu'ils veulent aller chercher quelque chose. L'ensemble de l'équipe, l'ensemble de ces femmes qui composent l'équipe IF Education Team Co SVB veulent aller chercher la 4e victoire en 4 étapes. Oui, là on voit qu'elles savent qu'elles peuvent gagner tous les jours, donc il n'y a pas de raison de pas tout faire pour aller gagner. Hein. Mais là, on a des clientes à l'avant, hein, Morgane Coston et Sylvia Zanardi, en tout cas, qui ont l'air d'être les deux plus grosses filles, entre guillemets, avec les capacités de pouvoir emmener cette échappée très loin. Bah ouais, ça serait bien que, alors peut-être pas tout de suite, mais après le deuxième grimpeur, on y arrive hein, dans quelques minutes, sauf erreur de ma part, le 4e grimpeur de la journée, mais il y avait 2 grimpeurs qui étaient escaladés à 2 reprises. Voilà, le petit Aspin qui va nous intéresser dans les prochaines minutes, ce serait peut-être l'occasion du petit Aspin pour se débarrasser des deux autres concurrentes. Et moi je vois 25 filles hein, dans le peloton. Ouais, j'ai pas eu le temps de compter, mais je vous crois. 25 concurrentes effectivement que l'on retrouverait dans ce peloton avec la formation IF Education Type Co SVB et un maillot orange que l'on aperçoit dans les premières positions, sûrement la formation Human. Il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde dans ce peloton. On essaye de tenir, mais c'est pas facile hein, pour les concurrentes qui sont à la limite de la rupture. Non, et puis là, il faut mieux être clairement en tête du peloton hein, pour pas subir cette descente-là. Hein, celle qui est dernière actuellement du groupe, dès qu'il va y avoir une relance ou une courbe, bah forcément, on est obligé d'appuyer un petit peu plus fort pour bien se remettre dans les roues. Puis on a quelques cassures hein, également, Jennifer, on le disait, en tête de peloton. Alors que là, on fait la descente. Elle descend peut-être le mieux, la concurrente espagnole Mireia Penito Pellicer, qui est en train hein, tout simplement de faire une petite cassure sur Sylvia Zanardi. Ouais, c'était Morgane Coston qui était dans la roue. Hein. Je pense que c'est elle qui a peut-être mal jaugé un petit peu sa trajectoire et qui a laissé quelques mètres de retard. On approche des 3 heures de course. On rappelle, c'est l'étape la plus longue de ce week-end pyrénéen, ce week-end dans le Béarn. Avec 115 km 700 au programme. Et le peloton qui file, qui descend à toute allure. Et des cassures qui sont en train de se faire hein, là dans ce peloton. Attention à être placé, attention à être vigilant. Parce que si on a toute l'équipe IF au commandement et qu'il y a une petite cassure... On connaît leur talent contre la montre par équipe. Ils nous l'ont montré. Nous sommes rentrés dans les 20 derniers kilomètres. 20 kilomètres de l'arrivée désormais. 20 kilomètres avant le final de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Et pour le moment, elles sont 4. 4 au commandement. Il y a une concurrente de la formation Bipping. Elle est en tête. Vous la voyez avec le maillot blanc et rouge des sprints. Il s'agit de Sylvia Zanardi. Dans sa roue, c'est celle qui a accumulé le plus de kilomètres en échappée. Aujourd'hui, elle a longtemps été seule, elle a ouvert la route sur des routes très très larges parfois avant de se faire reprendre par le groupe principal, c'est Mireia Penito Pellicer. 3e position, elle sort d'un très bon Tour de France, elle a brillé également sur la première étape, elle faisait partie de la bonne échappée mais n'a pas réussi à tenir le rythme, il s'agit de Morgane Coston et ensuite celle qui est en train de doubler Morgane Coston sur la gauche avec le maillot de l'équipe nationale des États-Unis a été présente dans toutes les échappées tout au long du week-end. Il s'agit d'Erika Klevenger. Voilà les 4 concurrentes qui, à 20 km de l'arrivée, comptent une petite minute d'avance désormais sur le peloton maillot jaune qui est composé d'une 30aine de filles avec la maillot jaune qui n'est peut-être pas la plus à l'aise en descente par rapport à ce qu'on a vu hier. C'est étonnant, mais là, on la voit vraiment créer des cassures.
Ouais, on la voit créer des cassures et à l'avant, hein, je pense que Morgane Coston, elle attend qu'une chose, hein, c'est que la descente s'arrête. Hein. Elle se fait doubler en étant en troisième position, elle laisse souvent des trous. Donc je pense qu'elle hâte qu'elle se termine pour pouvoir aller cette fois-ci chercher le dernier grimpeur, parce que là, c'est vrai que je pense qu'elle est un peu en difficulté. Hein. Eh, c'est la formation Saint-Michel-Aubert 93. Je voyais du orange, je pensais que c'était Human. Eh non, mais du côté de Saint-Michel-Aubert 93, c'est Margot Pompanon qui fait la descente. Margot Pompanon qui fait l'effort. On l'a vu tout à l'heure, elle descendait plutôt pas mal. On a dans sa roue une concurrente de la formation du Centre Mondial du Cyclisme. Peut-être c'est la Mama Guérefil, la 17e du classement général, l'Éthiopienne. Ouais, si elle fait la descente, hein, je vois mal Coralie ne pas être dans le peloton. Hein. Ouais, on a peut-être perdu d'autres filles du classement général. Ça serait bien d'essayer, une fois que le calme et que nous revenons sur une partie un peu plus plane, de faire une revue d'effectifs de ce qui est en train de se passer. Avec la confirmation en ce qui concerne celle qui emmène, c'est bien Margot Pompanon qui emmène. Et nous sommes ici, alors non pas avec la concurrente éthiopienne, mais avec la concurrente colombienne. C'est Natalia Franco-Villegas, la 14e du classement général, qui est pointé à 10 minutes de retard. On aperçoit pas Coralie Demey dans les premières positions. Hein. Ah si, peut-être là. Peut-être là. On attend le dossard 101 pour Coralie Demey. On attend également, on a constaté la présence de Ricarda Borfein pour la formation Canyon SRAM Generation et la maillot jaune en personne qui amène le peloton. Dans moins de 20 km, elles seront là pour se disputer la victoire, l'ultime arrivée de ces 4 étapes en 3 jours de course. Et il y a eu un vendredi costaud, le contre-la-montre par équipe et l'étape paloise, alors qu'on aperçoit dans les premières positions toujours Greta Marturano. Hein, elle est bien présente ici dans la roue de la maillot jaune, Christa de Bellicock. Ouais, 20 km qui s'annoncent intenses maintenant. On va attendre les derniers écarts qui vont nous être communiqués également dans un petit instant. Et au pied de la dernière difficulté, on sera à 10 km de l'arrivée. Hein. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer dans ce petit aspin. Là, on voit que derrière, l'équipe IF est toujours en train de rouler. Donc il n'y a pas abandonné le fait de revenir sur l'échappée. Et pourquoi pas mettre un dernier coup de force dans ce dernier GPM. Pourquoi un dernier encore après, jusqu'à l'arrivée, un petit coup de force? Ils ont pas l'air d'être les plus à l'aise dans les descentes. Hein. On voit qu'il y a des équipes comme l'équipe Saint-Michel-Aubert avec Margot Pompanon qui est très à l'aise dans les descentes. Donc je suis pas persuadée qu'ils puissent le faire. Et moi, ouais. C'est dommage hein, parce qu'elle fait des gros efforts et des belles attaques dans ses montées. Et malheureusement, elle perd beaucoup de temps dans les descentes et doit faire beaucoup d'efforts. Mais... Alors, premièrement, on voit chez les hommes des coureurs qui ne sont pas qui ne sont pas à l'aise dans les descentes. Ça se travaille et au fur et à mesure, on fait des trajectoires un peu plus correctes. C'est pas les meilleures trajectoires, mais on fait un peu plus correct. Comment voulez-vous aussi qu'une concurrente qui découvre les courses en montagne, ça se fait pas souvent chez les femmes, donc forcément, il va falloir un temps d'adaptation et peut-être que dans quelques années, on verra une différence. En tout cas, Morgane Coston, c'est ce qu'elle doit travailler. Là, clairement, oui, on a vu que dès que le dénivelé devient positif, elle est très à l'aise. Et sur des courses peut-être un petit peu plus importantes, elle risque, si elle ne travaille pas ça, de perdre pas mal de temps et de place au général sur ces étapes de montagne avec des descentes qui sont pour l'instant très très compliquées. On la sent très crispée, peut-être mettre avec beaucoup trop de coups de frein finalement dans des courbes où c'est assez fluide. Donc effectivement, il faut absolument qu'elle travaille ça dans les années à venir. Et on a vu sur la gauche de la route le fameux pont qui a été inauguré par une figure emblématique du quartier, Patrice Le Pimpoy, que l'on salue et qui a permis pas mal de choses également pour l'organisation de cet événement. Mais on aura l'occasion de saluer toutes les équipes qui ont permis aussi l'organisation du jour, le bon déroulement sportif aussi des hostilités, alors que vous avez toujours ces quatre concurrentes en tête avec
la concurrente qui amène, c'est l'Espagnole Mireia Penito Pellicer qui est au commandement, avec dans sa roue Sylvia Zanardi. La concurrente états-unienne est également en troisième position et elle va rentrer Morgane Coston, mais c'est vrai qu'elle fait des efforts en plus par rapport à ses adversaires, et ça à un moment ça va se payer. Ah oui, ça c'est sûr. Maintenant, elle nous a montré tout à l'heure avec son attaque très très offensive qu'elle est rentrée très très vite. Je pense que c'est beaucoup moins technique quand même sur la descente qui va nous ramener vers Lourdes. Mais effectivement, soit il faut qu'elle prenne un petit peu d'avance sur le petit Aspin pour pouvoir justement faire peut-être une descente plus sereine, en tout cas pour elle, et éviter de partir à la faute. On va rappeler, Jennifer, l'état de fraîcheur alors théorique. Parce qu'on a une concurrente qui a quand même fait un long raid en solitaire. C'est la concurrente que vous voyez ici sur la gauche en dernière position, Mireia Penito Pellicer. Ensuite, on avait un groupe de 7 unités où on retrouvait la concurrente américaine qui est sortie, elle, dans un groupe. Elle n'a jamais été esselée, elle n'a jamais eu d'effort seule à faire. Par contre, on rappelle que Sylvia Zanardi, elle est revenue sur l'échappée seule aussi. Hein. Elle est revenue un petit peu plus tôt, assez rapidement, mais Sylvia Zanardi a dû faire un effort seule. Morgane Coston vient de produire un effort, il n'y avait plus qu'une trentaine de secondes entre le peloton et la tête de course, mais elle a produit un effort dans une des difficultés de ce circuit. Théoriquement, c'est elle la plus fraîche de ce quatuor. Maintenant, on a vu qu'elle fait quand même elle a fait cet effort-là, elle fait quelques efforts pour en revenir en descente. Alors certes, c'est pas les mêmes efforts. J'ai pas envie de dire qu'elles sont toutes sur le même niveau, en tout cas de fraîcheur, mais c'est vrai qu'elles ont toutes fait des efforts depuis le début de la course. Oui, c'est sûr. Après, elles ont fait des efforts qui sont à des échelons différents de la course. Quand on fait des efforts en début de course, comme a pu faire Sylvia Zanardi, on peut récupérer plus facilement sur certaines portions. Par contre, Morgane Coston, elle a subi un petit peu les accélérations du peloton, qui ont été plutôt vives sur la fin du parcours avant qu'elle puisse sortir. Mais on voit qu'elle a quand même plutôt bien récupéré, parce qu'elle a été capable de contrer finalement ses accélérations et de rentrer très très vite sur l'échappée. Est-ce que d'autres concurrentes vont réussir à rentrer sur ce quatuor ? C'est la question qu'on se pose. Un regroupement général ou une coureur de ce quatuor qui vont aller chercher une belle victoire dans le Bigorre aujourd'hui ? La réponse, on va la voir. Il y aura plus de 3 heures de course, vous l'avez compris. Alors que là, les pentes deviennent plus difficiles et Morgane Coston est à son avantage. Ça y est, elle retrouve un coup de pédale un petit peu plus facile, alors qu'on évoque toujours un peu plus d'une minute d'avance entre le quatuor et le peloton qui est emmené en file indienne par la formation IF Education Tipco. Mais on voit que l'échappée a plutôt bien descendu, hein. Ils n'ont pas été, ils ont perdu aucun temps finalement dans cette descente. Il y a juste Morgane qui elle a été un peu en difficulté et qui a dû faire des efforts un petit peu plus poussifs, mais l'échappée a très très bien descendu cette descente et va pouvoir attaquer finalement ce petit Aspin dans de bonnes dispositions et peut-être pour certaines accélérer pour essayer d'aller jouer la gagne. Et le peloton était amené il y a encore quelques instants par Emma Langlais, la championne des États-Unis qui a réalisé un gros travail hier. Elle a été sacrée, on vous le rappelle, plus combative de l'étape qui menait l'ensemble du peloton de ce CIC Tour Féminin International des Pyrénées au sommet du col d'Oussolor. Et la championne des États-Unis qui réduit l'écart, dernier écart, 50 secondes, on approche des 15 derniers kilomètres désormais. Et on rappelle, Jennifer, que les concurrentes auront une côte encore, ce petit Aspin dont le sommet est situé à 10 km. Donc on est loin encore du dénouement, il peut encore se passer plein de choses dans le final de cette épreuve, avec un virage un petit peu plus pour la concurrente des États-Unis en tête de course, Erika Klevenger, qui retrouve dans sa roue Sylvia Zanardi. Sylvia Zanardi qui en faisait moins que d'habitude il y a quelques minutes, mais qui reprend un. Je pensais que si les quatre peuvent se partager la victoire, ça va jouer entre Zanardi et Coston. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à parler de Zanardi. Hein. Elle nous a montré quand même qu'elle était capable d'aller faire certains sprints, hein, qu'elle avait une petite aise. Après, c'est peut-être la fraîcheur qui va jouer, mais on sera au pied de ce col, donc maintenant, à 10 km finalement
de l'arrivée. Et au-dessus, on passera du coup au sommet à 5 km pour la descente et arriver dans Lourdes. Ouais, ça change effectivement les choses. Après, Sylvia Zanardi, en cas d'arrivée au sprint, on sait que c'est une pistarde. Hein. Elle a l'habitude effectivement de ces différents rendez-vous. Alors oui, elle a brillé en poursuite, bien sûr, notamment. On l'a dit, ça peut être sa spécialité notamment, mais on l'a vu briller également. Et Morgane Coston, qui est tout de suite en train de mettre une petite attaque. Hein. On sent qu'elle veut tout de suite faire la différence dès le pied. Ouais, et il y en a qu'une qui peut suivre, c'est Sylvia Zanardi. On vous avait dit deux concurrentes, et ben ça se fait. On avait vu qu'elles étaient un petit peu moins fraîches, un petit peu moins faciles dans le coup de pédale. Miria Penito Pellicer, la concurrente de Massey Tactic Women's Team, qui est décrochée, tout comme la concurrente états-unienne Erika Klevenger. C'est terminé pour les deux concurrentes. Elles ne sont plus que deux en tête, avec Morgane Coston, la française de l'équipe Arkea Pro Cycling Team, et Sylvia Zanardi, celle qui porte habituellement le maillot de Bipping, mais qui a le maillot des meilleurs, de la meilleure sprinteuse sur les épaules, le maillot blanc et rouge parrainé par Total Energy. Ça serait une belle récompense pour Sylvia Zanardi, qui passe beaucoup autour, on le disait, sur la route. Elle est souvent bien placée. Bon, certes, oui, vous allez me dire, elle a été championne d'Europe sur route dans la catégorie des espoirs en 2021, mais c'est vrai qu'elle est souvent sur les podiums. On évoquait sa troisième place au Grand Prix de Fourmies l'an passé, troisième également du Grand Prix du Morbihan. Cette année, elle était quatrième du championnat d'Europe sur route espoir. Elle est souvent placée, j'ai envie de dire elle est toujours là, et ça paye très rarement. Ça serait l'occasion aujourd'hui de saluer son gros week-end, parce que mis à part l'erreur tactique et ne pas être présente dans la bonne échappée, c'est déjà terminé. Et on voit Morgane Coston, hein, qui est vraiment vraiment au-dessus du lot, hein. On l'a senti quand elle est sortie dans la bosse juste avant, et là elle s'envole littéralement vers le haut du sommet. Mais attention, hein, y a une descente derrière, hein, donc c'est la bonne stratégie, je pense, pour l'équipe Arkea, tout simplement parce qu'il faut qu'elle prenne un maximum de temps avant la descente pour qu'elle ne prenne aucun risque dans cette descente finalement, et qu'elle puisse la descendre à son aise à elle, et en ayant toujours cette petite marge de manœuvre. Parce que Sylvia Zanardi, elle descend pas si mal, hein. Elle descend très très bien, Zanardi, hein. Donc si elle bascule avec 15-20 secondes, Zanardi, elle va rentrer, hein. Donc attention, effectivement, Morgane Coston seule en tête, celle qui sort actuellement du Tour de France Femmes, celle qui avait remporté par le passé le prix de la ville du Mont-Pujol. On l'avait vu victorieuse également du Tour du Gévaudan Occitanie, et elle est actuellement seule en tête à 12 km de l'arrivée. Est-ce qu'on va avoir cette première victoire française sur les routes de ce Tour féminin international des Pyrénées, alors que ça bouge en tête de peloton, pas mal d'attaques qui se font sentir. J'ai eu peur que ça soit Sylvia Zanardi qui se fasse reprendre, mais non. Hein. Ah, toujours une minute, 12 km, ça peut sentir bon, hein, pour Morgane Coston. Ouais, là il y a un bel écart, hein, donc je pense que dans le grimpeur elle va garder cet écart, voire peut-être même aller le grandir un petit peu, hein. Si elle bascule avec 30 secondes, même 45 secondes, hein, elle va se jouer la gagne, hein, c'est sûr. Ouais, avec des concurrentes qui sont en train de sortir de ce peloton, 3 heures de course, ça y est, 3 heures d'effort sur cette troisième journée de course. Mais quatrième étape, vous l'avez compris, pour certaines, il y a eu le Tour de France Femmes. Ça rentre, hein, Zanardi. Ça écrase un petit peu, attention. Hein. Tout à l'heure, hein, je trouve que l'écart pour l'instant, il est plutôt fluide. Hein. Elle a mis un gros sac d'entrée de jeu, et pour l'instant, Zanardi, elle s'accroche. Hein. Puis on n'oublie pas que Zanardi est à l'avant depuis un peu plus longtemps. Elle faisait partie du groupe de contre, du moins elle est rentrée dans le groupe de contre avant de ressortir après. En tout cas, Morgane Coston a un bon coup de pédale. Ah ouais, elle fait bonne allure. Hein. Elle est vraiment bien, Morgane Coston, actuellement, que l'on retrouve. Elle est 10 km de l'arrivée, toujours Morgane Coston aux avant-postes avec Sylvia Zanardi à 100 mètres, 150 mètres. Ouais, on laisse les motos intercalées pour l'instant, c'est bon, hein, tant qu'on ne demande pas aux motos. Toujours 7 minutes. On va suivre quand même les concurrentes qui sont sorties, parce qu'on a 2-3 concurrentes qui seraient sorties du peloton. Attention à l'identité de quelques-unes qui pourraient rentrer, pourquoi pas. On est dans ce petit aspin là, hein. Ça y est, dernière difficulté répertoriée du jour.
Ouais, il faut vraiment profiter de cette bosse-là. Hein. Elle est proche de l'arrivée et c'est vraiment un atout pour Morgan Coston et l'équipe Arkea Pro Cycling Team. Hein. C'est vraiment l'opportunité pour elle d'aller chercher cette victoire d'étape. Hein. On l'a vu extrêmement forte dans le grimpeur précédent. Hein. Donc là, s'il y a vraiment des cartouches à mettre, c'est dans cette bosse-là. Hein. Et après, on descend un petit peu pour revenir sur Lourdes et il y aura 3 km avant de rentrer sur la ligne d'arrivée. 3 km plutôt plats. Hein. Il y a un petit faux plat entre 3 et 2 km de l'arrivée, mais ensuite c'est vraiment un petit faux plat, les deux derniers kilomètres en plat, et cette arrivée ici à Lourdes, dans la ville qui a connu un départ encore du Tour de France, c'était il y a quelques semaines, c'était pour les hommes, mais pourquoi pas une arrivée et un départ l'an prochain du Tour de France femmes avec Zwift. En tout cas, nous on est très heureux de vous faire vivre le premier grand rendez-vous en montagne pour les femmes, c'est ce Tour féminin international des Pyrénées. Tout le globe est représenté, tous les continents sont représentés au départ. Il y avait, on vous rappelle, 93 filles qui ont pris le départ. C'était vendredi du côté de la localité paloise, du côté d'Artigueloup pour être tout à fait précis. Alors que là, elles sont un petit peu moins, elles vont être beaucoup moins d'ailleurs à franchir la ligne tout à l'heure, alors que c'est terminé pour les concurrentes qui étaient en contre. C'est le peloton désormais qui est en chasse à une petite minute. La situation de la course à l'amorce des 10 derniers kilomètres. Il y a une Française au commandement, Morgan Coston, la concurrente de l'équipe bretonne Arkea Pro Cycling Team. Et en deuxième position, à une centaine de mètres, il s'agit de Silvia Zanardi, l'italienne de la formation Bipping. Mais attention, parce que le peloton n'a pas dit son dernier mot. Le peloton roule toujours à une allure très vive. Il s'agit de la championne des États-Unis, Emma Langlais, une nouvelle fois qui roule pour la formation IF Education Tipco SVB. Et si on roule, c'est bien pour aller chercher la victoire d'étape, parce que pour le général, il n'y a pas de danger avec les femmes que nous avons à l'avant. Ah non, c'est sûr. Là, elle montre clairement les ambitions de l'équipe aujourd'hui. Hein. On veut aller chercher également cette dernière étape pour repartir avec clairement raflé sur toutes ces 3 jours de compétition. 3 sur 3 sur les 3 premières étapes, pourquoi pas aller chercher le 4 sur 4 IF puissance 4, ça serait un très bon titre dans la presse demain. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, hein, cette équipe qui a dominé. On s'attendait à un match entre Human Power Hills et IF Education Tipco SVB, les deux équipes de l'UCI Women's World Tour, le plus haut niveau au cyclisme féminin, et finalement on voit qu'il n'y a pas de grosse rivale, hein, pour la formation, hein, IF, et qu'on va retrouver cette formation pour le général. Maintenant on a peut-être un accessite à aller chercher et une belle performance à aller prendre pour Morgan Coston qui approche du sommet, 1 km du sommet si je ne m'abuse, avant donc de pencher. Le coup de pédale qui est toujours bon, on est bien posé, il n'y a pas de signe, hein, ça ne bouge pas du tout en ce qui concerne Morgan Coston, alors que c'est en train de sortir. Il y a un petit trio qui est en train de bouger en tête de peloton, avec notamment la maillot jaune en personne qui suit le rythme, Christa de Bellicoque. Et on rappelle, si vous nous rejoignez, qu'il peut y avoir une bataille, hein, parce que Christa de Bellicoque a 1 minute et 5 secondes d'avance sur la deuxième du classement général, Eri Yonamine. Mais après, nous avons 3 concurrentes pour les places de 2e à 4e qui sont à moins de 35 secondes. Et entre la place de 3 et 4, il y a seulement 2 secondes entre Ricarda Borfain et Greta Marturano. Donc une explication peut-être entre ces femmes dans le final de cette épreuve. Il y a du suspense à tous les étages pour la victoire d'étape, mais aussi pour le podium du classement général. Ouais, on ne sait pas trop où est-ce qu'en est du coup Silvia Zanardi, hein, si vraiment les écarts sont en train de se faire, peut-être mètre par mètre, hein, mais en tout cas on voit que devant Morgan Coston, ça ne baisse pas pavillon, hein, elle garde toujours la bonne cadence, dès qu'il y a un petit peu moins de pourcentage, ça descend une dent, ça relance, donc elle est bien dans la course, hein, elle va rien lâcher jusqu'au dernier kilomètre. Morgan Coston seule en tête, elle va en terminer avec ce petit aspin dans quelques instants, et basculer une partie descendante. Et on félicitera espère la foulée de Pierre Gazangel, ouais, quand même. Hein. Très belle foulée, Pierre Gazangel, l'assistant de l'équipe Arkea. Allez, 500 mètres du sommet. Ouais. Et il y avait le droit jusque-là pour le ravitaillement. Ils avaient bien lu le communiqué, l'équipe Arkea. Hein. C'était jusqu'ici qu'on avait le droit de ravitailler. Mais on n'aperçoit pas Silvia Zanardi derrière. Hein. Et si, Zanardi qui va se faire reprendre par une derrière, concurrente, hein, de Saint-Michel-Aubert 93, sauf erreur de ma part. Est-ce que ce serait Coralie Demey ? Ça serait bien.
Ça serait bien Coralie Demey qui pourrait... Bah oui, c'est Coralie Demey. Il suffit de demander. Oh. Ah, la Morbihanaise qui avait à 500 mètres désormais, qui va désormais revenir. 30 secondes, le dernier écart entre Morgane Coston et Coralie Demey. Un superbe final entre Française et Coralie Demey descend pas mal. Hein, eh ben c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Coralie, on la met sur un effort solitaire, elle descend très très bien. Et là, on arrive vraiment dans des kilomètres qu'elle connaît très bien. C'est-à-dire 5 kilomètres pour pouvoir revenir, elle est capable d'aller chercher Morgane Coston. Coralie Demey, on le rappelle, 5e au classement général, mais elle est pointée donc à 3 minutes, on va dire, de la 4e place. Elle ne pourra pas changer grand-chose. Là, ce n'est pas le classement général. On vise clairement la victoire d'étape, mais attention à ne pas ramener Sylvia Zanardi dans la roue. Ah ouais, c'est ça, 2 pistardes. Eh ouais. 13 titres, si je ne m'abuse, de championne de France sur piste, alors que le peloton est à 20 secondes. Hein. Eh, ça va être très très chaud. Mais là, on a deux filles qui descendent très très bien avec du coup. Des spécialistes de la poursuite aussi. Exactement, hein. Les écarts entre justement ce duo et Morgane Coston, parce que si ça descend très bien derrière, elle va vite revoir revenir les deux. Ah, il y a quand même un peu d'écart. Hein. Ouais, il y a quand même un peu d'écart. Elle a basculé, puis elles sont à deux, donc elles vont se poser des questions. Pour l'instant, Coralie Demey qui roule. Morgane Coston, elle fait sa descente. Pas de soucis à se poser. Morgane Coston seule en tête actuellement avec une petite vingtaine de secondes d'avance, a priori une trentaine selon les dernières informations sur le groupe, le duo amené par Coralie Demey, la native d'Elvin qui était sur le podium d'étape sur les routes du Tour de France Femmes avec Zwift qui est actuellement 5e du classement général. Elle réalise sa meilleure saison chez les professionnels depuis son début de carrière. Elle a décidé de laisser la piste de côté et ça lui fait du bien pour l'instant. Et dans sa roue, c'est une ancienne pistarde, elle est encore sur les vélodromes, multiple championne d'Europe, également championne d'Europe espoir sur route l'an passé, et il y a désormais 30 secondes entre Morgane Coston et le duo que vous avez ici à l'image, Coralie Demey et Sylvia Zanardi. Ah, ça semble compliqué d'aller chercher Morgane Coston. Ça va être compliqué, hein, mais il faut absolument que Zanardi passe. Hein. Si elles veulent se jouer à 3 la victoire d'étape, clairement là, il faut plus réfléchir. Hein. On vous l'a dit au moment de la prise d'antenne que le circuit pouvait correspondre à Coralie Demey. Elle avait un petit peu peur ce matin de l'état de fatigue, de la fraîcheur après le Tour de France. En tout cas là on voit qu'elle donne tout, hein. Que ce soit Sylvia Zanardi ou Coralie Demey. Vraiment belle performance des deux concurrentes actuellement en contre. 30 secondes d'écart et le peloton, où est-ce qu'il en est? C'est la question, est-ce que le peloton peut encore revenir, hein? C'est... les interrogations que nous avons pour le moment, mais on voit qu'en descente quand même c'est beaucoup plus fluide pour les deux filles. C'est plus fluide dans les virages, on voit que ça passe beaucoup plus vite. Après on n'a pas trop d'images pour l'instant concernant la descente de Morgane Coston, mais en tout cas Zanardi elle a du mal à passer. Hein. Ouais, mais en même temps elle a fait un petit peu plus d'efforts aussi que Coralie. Hein. Il y a ça aussi à prendre en compte. Alors attention à ne pas se laisser endormir effectivement par le comportement du moins de la concurrente italienne. 5 km, arrivé 5 km. Il reste encore 2 petits kilomètres de descente avant de reprendre une portion légèrement plus plane. Ouais, 2 km de descente qui vont être peut-être un petit peu plus à l'avantage encore des deux. Mais sur... Ouais, mais tout dépend de comment ça roule. C'est ça. Et là, ça y est, Zanardi a décidé de remettre un relais. On voit qu'elle a mis un mètre à Coralie, hein, donc elle a pas fait semblant là. Ah, quelle finale. On n'avait pas vu trop les Françaises peser sur la course parce qu'elles ne le pouvaient pas, même si on avait eu Morgane Coston et Coralie Demey dans l'échappée initiale de vendredi à Pau. Hier, elles étaient un petit peu plus loin parce que c'était l'explication des favoris du classement général. Mais là, on se bat pour une victoire d'étape. Morgane Coston en tête avec deux concurrentes derrière, Coralie Demey, la Française, et Sylvia Zanardi, l'Italienne de la formation Bipping. Alors que derrière, il y en a partout, ça a totalement explosé dans le groupe des favoris. Il y a quand même peut-être des bonnes opérations à faire pour certaines filles. Ouais, et puis il faudra quand même saluer, hein. Je pense que Margot Pampanon a fait un énorme travail pour Coralie dans la descente du GPM pour essayer de rapprocher au maximum le peloton de l'échappée. Et derrière, Coralie a fait le jump. Je pense que les informations et la communication entre les deux est plutôt bien passée. L'écart qui se réduit désormais, 25 secondes entre les deux concurrentes actuellement en contre et celle qui est en tête, Morgane Coston, alors que Sylvia Zanardi est partie seule. Coralie Demey ne parvient pas à suivre le rythme de l'Italienne dans la descente. Ouais, toujours faire attention à une Italienne, hein. Ça passe un relais ou deux, puis au moment où elle le sent, hein, elles vont faire la descente plein gaz et malheureusement Coralie est en train de payer un petit peu ça.
Je sais que vous adorez les Italiennes, Jennifer. En tout cas, et puis là, on peut pas se dire Coralie Demey, c'est une pistarde, hein, parce que oui, c'est vrai, c'est une pistarde, elle a brillé en poursuite, sauf que Zanardi aussi. L'école de la piste. Si on vous avait dit ça, l'école de la piste à l'honneur en montagne. Ah bah moi, je comprends plus rien. Comme quoi. Elle a fait un sacré écart quand même en quelques virages. Hein. Ah, mais du coup, finalement, le retour de Coralie Demey, ça a totalement relancé Zanardi. C'est vrai. Parce qu'on l'avait un petit peu oublié, on avait dit que les écarts étaient très importants. Et finalement, non, Zanardi qui pourrait nous priver d'une victoire française sur cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Coralie Demey qui s'empoigne pour essayer de revenir. On va virer dans un petit instant. Il y a plus 25 secondes, il y a moins. Hein. On va avoir de nouveaux écarts. Ah ouais, là, il y a moins. S'il y a 15, allez, peut-être 20 quand même. Peut-être 20 secondes. Mais là, regardez, tout le monde va se voir. Tout le monde va se voir. Peut-être même le peloton. Coralie va rentrer. Elle va se faire la peau, mais elle va rentrer. Le gros effort de Coralie Demey. De toute façon, c'est simple. Hein. Si ça rentre pas maintenant, hein, malheureusement, les chances de victoire, hein, elles vont s'échapper. Donc là, elle va se caler dans la roue. Et sur la droite, le sanctuaire de Lourdes, c'est peut-être le moment d'avoir une petite pensée là. Dernier moment pour essayer de faire une petite prière. Dernier écart, 15 secondes. Ah, elles ont repris en moins de... Il faut qu'elle la passe direct. Hein. Allez, vas-y, on ne pose pas de relais de l'autre côté de la route si possible. Non. Et Zanardi, on sent, elle est poussif un peu. Hein. Allez. Elle est maligne, Zanardi, mais elle est peut-être... Vas-y, c'est le moment. C'est le moment de réattaquer pour Coralie Demey. Faut absolument pas lui laisser le temps de répit. Hein. Regardez cette vue avec derrière le sanctuaire de Lourdes, c'est superbe. Les filles qui n'ont pas le temps d'en profiter, mais nous on en profite. Le sportif et la culture, le sportif et le patrimoine ici dans le Bigorre. Le final de cette épreuve avec dans quelques instants peut-être l'arrivée victorieuse pour Morgane Coston, la concurrente de l'équipe Arkéa Pro Cycling Team. Elle sort des routes du Tour de France et elle va peut-être aller signer un très beau succès dans quelques instants. Mais attention à ne pas piocher, ah, on sent que c'est un petit peu plus difficile dans ce faux plat montant. On va approcher là dans les deux derniers kilomètres dans un petit instant. C'est là qu'il y a les dernières pentes, le dernier faux plat montant. Et après, à 2 km de l'arrivée, ça va devenir un petit peu plus plat. Où en est-on? Dernier écart, 15 secondes. Ouais, ça risque de le faire hein, pour Morgane Coston, mais il faut pas se retourner. Hein. C'est très proche. Elle passe plus, Zanardi. Elle passe plus, Zanardi. C'est terminé pour Sylvia Zanardi. Ah, qu'en est-il là? Il va falloir faire passer l'Italienne parce qu'au sprint, Zanardi, elle a quand même une belle pointe de vitesse. Ouais, mais au sprint, pour se jouer la place de deux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein. Là, elle devrait tenter quitte à rentrer. Au moins, ce sera la plus rapide. Mais là, elles vont perdre la victoire d'étape. Hein. Ouais. Il n'y a plus que 10 secondes. Hein. Morgane Coston, elle est en train de s'écrouler, malheureusement. Mais elle a tant donné depuis le début. Ah, c'est rageant pour la concurrente de l'équipe Arkéa Pro Cycling Team qui vraiment a réalisé une très belle course. Elle est sortie, on le rappelle, au bon moment du peloton pour revenir sur le groupe de tête. Personne n'a réussi à la suivre. Mais par contre, regardez ça rentre, le regroupement. Ça rentre. Ah, on va avoir un sprint à 3, à moins qu'une d'entre elles réussisse à attaquer. Là, le bon comportement pour Zanardi, c'est d'en placer une dès que ça rentre en dernière position. Je pense qu'elle va pas en mettre une, hein, elle va attendre. Elle va attendre le sprint. Et Zanardi qui va faire la jonction. On est dans les roues de Lourdes. Ça y est, on va virer dans quelques instants avec Morgane Coston toujours en tête. On n'a pas de nouvelles du peloton. On espère qu'on va pas être avec un retour du peloton. En tout cas, pour nous, le peloton est battu puisqu'on a les voitures intercalées. Et là, faut se caler tout de suite dans la roue. Hein, mais Coralie, calée, c'est quelques mètres. C'est pas bon ça. On est dans la dernière ligne droite, mesdames, messieurs. Le centre de Lourdes, ici, dans les rues principales. 500 mètres. Oh, le final de cette épreuve qui s'annonce exceptionnelle avec Coralie Demey en troisième position, Sylvia Zanardi. Faut rester dans la route d'Anardi tout de suite. Ouais, mais c'est. Bah non, pourquoi tu prends le relais? Pourquoi tu prends le relais, Coralie? Elle a essayé de lui faire les 300. Ah, elle a essayé de faire les 300 mètres. Elle est en train d'emmener Zanardi. On emmène Zanardi dans un fauteuil, la championne d'Europe Espoir 2021 qui va peut-être aller chercher un beau succès à Coralie Demey qui tente le tout pour le tout. Mais Zanardi qui va déborder sur la gauche. C'est parti sur la gauche pour Zanardi. Coralie Demey qui ne peut rien faire. Facile. Qui se retourne. Sylvia Zanardi, la meilleure sprinteuse qui s'impose ici, la championne d'Europe. C'était en 2021 dans le rang des espoirs. Deuxième Coralie Demey, troisième place pour Morgane Coston.
ton assez frustrant ce qui vient de se passer, parce qu'on se dit que si on était resté dans la route Zanardi, le scénario et le dénouement n'auraient pas été le même. On rappelle hein, qu'au rallye de mai, troisième d'étape sur l'épreuve de Pau, deuxième aujourd'hui ici dans les rues de Lourdes, alors qu'on va se battre pour la quatrième place maintenant. Mais en tout cas, le dénouement, on vous le rappelle, c'est la victoire de Sylvia Zanardi ici dans les rues de Lourdes, devant tout simplement Coralie Demey et Morgane Coston. L'arrivée du peloton dans quelques instants qu'on va essayer de suivre avec les caméras fixes peut-être. Une concurrente intercalée qui est sortie il y a quelques instants, qui va aller chercher. Et derrière, on va en profiter également pour saluer la performance de celle qui remporte tout simplement le classement général. C'est l'arrivée pour toutes ces concurrentes. Et le maillot jaune, c'est assuré la victoire de Christa de Ballycock de l'équipe IF Education Tipco SVB. Trois victoires d'étape pour l'équipe donc américaine, et deux victoires d'étape pour la maillot jaune qui a vraiment dominé cette course. On en a laissé un petit peu aux autres aujourd'hui, et le maillot de meilleur jeune qui reviendra à Ricarda Borfain, qui a fini dans la roue de la maillot jaune pour la concurrente de Canyon, SRAM Generation. Quelle fille concurrentes d'IF qui ont été époustouflantes aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup forcément de la maillot jaune, mais là c'est toute l'équipe qui a travaillé exceptionnellement tout au long de ces quatre étapes. Oui, ils nous ont montré que collectivement parlant, même si ce n'était pas toujours très organisé au sein du peloton, dès qu'il fallait mettre en route pour se rapprocher de l'échappée, ou alors au contraire mettre en route pour mettre les autres en difficulté, bah, elles étaient présentes. Elles ont réussi à finalement faire quasiment tout ce qu'elles avaient envie sur toutes les étapes. On va essayer d'avoir la réaction bien sûr de Sylvia Zanardi, d'avoir surtout la réaction de Coralie Demey, Morgane Coston. On va envoyer notre reporter Jade Sadmi essayer d'avoir l'interview dans quelques instants. On va attendre dans quelques instants, et puis on va vous rappeler le classement, puisqu'il y a peut-être quelques modifications au classement général. On vous parlait de la troisième et quatrième place. Où en est-on? On va faire le point dans quelques secondes avec cette épreuve. En tout cas, quelle finale, hein. On avait peur jusqu'au bout du retour de Jennifer du peloton, mais heureusement pour nous, eh bien, on a eu une explication. Alors peut-être pas avec le dénouement que l'on aurait préféré, puisque Sylvia Zanardi s'impose. Deuxième place pour Coralie Demey, troisième Morgane Coston, quatrième Alessia Vigila, la cinquième place pour la maillot jaune, donc Christa de Ballycock, la meilleure jeune termine sixième Ricarda Borfain, septième place pour Zoé Backstead, la double championne du monde junior. Nouvelle belle position pour l'Éthiopienne Selam Ama Gerefil, neuvième Yulia Biryukova pour l'Ukrainienne d'Arkea Pro Cycling Team, et dixième Camille Failly. Encore hein, une belle performance de Saint-Michel Aubert 93. Et on a également Marine Allion en 11e place. Et pour le classement général, a priori, Coralie Demey réussirait à prendre la 4e place. Alors est-ce qu'on a eu un petit souci? Mais on n'a pas assisté à l'arrivée pour l'instant de la concurrente, on le disait, qui occupait donc Greta Marturano. On n'en a pas parlé du tout aujourd'hui. On ne l'a pas vu. Et on l'a pas vu passer à l'arrivée. Alors peut-être aussi un souci de vélo, hein. Souvent des fois, on rappelle, les vélos sont sur les transpondeurs, et forcément quand le transpondeur n'est pas présent sur le vélo, il est difficile de détecter. Mais en tout cas, Coralie Demey qui serait peut-être à la 4e place du classement général. C'est frustrant, mais c'est vrai que c'était encore une très belle étape pour nos Françaises, alors qu'on profite des beaux paysages de Lourdes, bien évidemment un lieu de patrimoine, lieu de culte, mais aussi lieu de sport, on a pu le constater aujourd'hui. Oui, c'est une étape où on savait qu'il y avait des possibilités, en tout cas pour des échappées, peut-être pas forcément pour aller modifier complètement le classement général, mais en tout cas une étape où les échappées ont eu toute leur place, même à deux reprises. Je pense qu'aussi Julia Zanardi, elle a bénéficié de deux personnes finalement, Morgane Coston qui l'a relancée dans la course une fois qu'elle est ressortie du peloton. Et une deuxième fois avec Coralie Demey qui tout simplement la ramène sur Morgane Coston sur le final de cette étape. Donc malheureusement, les Françaises ont été plutôt offensives. Elles nous ont montré qu'elles étaient au niveau pour ce tour et même sur la fin de ce tour. Donc c'est qu'elles récupèrent plutôt bien. Mais malheureusement, voilà, ça ne paye pas encore pour une victoire d'étape.
On profite du sanctuaire de Lourdes, alors un petit peu moins de monde devant le sanctuaire à cette heure-là, puisque les gens ont profité soit pour aller au restaurant, soit pour être présents à l'arrivée de cette quatrième et dernière étape que nous avons suivie. On était dans le Béarn, on est passé dans le Bigorre, on a bien sûr profiter des Pyrénées, les Hautes-Pyrénées qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et vous voyez encore des concurrentes qui en terminent. Il y en a un petit peu partout en ce qui concerne cette équipe. Et puis l'ensemble de ces équipes, ces 17 formations qui ont fait le déplacement, en tout cas dans les Pyrénées, pour participer à cette épreuve. Allez, on aperçoit effectivement la grotte ici avec quelques attentes. Le rendez-vous des religieux que vous voyez ici, les belles images d'hélicoptères aussi pour toutes les équipes techniques de Régis que l'on salue. On remerciera Philippe également. Je remercierai aussi Denis Dupuis pour la préparation en amont de tout ce qui s'est passé sur la route de ce CIC Tour Féminin International. Jennifer, on va se dire au revoir. On va remercier toutes les personnes de nous avoir suivis sur Sport en France. On va rester sur la page Facebook dans quelques instants. On vous souhaite une excellente fin de journée. Victoire et domination de l'équipe IF Education Tipco SVB. Christa de Bellicoque remporte le classement général. Sylvia Zanardi s'impose aujourd'hui ici à Lourdes. Merci Jennifer, belle fin de week-end. Merci Antoine, au revoir. Les réactions après cette quatrième et dernière étape du CIC Tour Féminin International des Pyrénées, vous allez les avoir sur Facebook. Restez avec nous dans quelques instants sur la page YouTube également de l'organisation. Elles arrivent, notre reporter Jade Sadmi va nous permettre de clôturer cette belle journée et ce beau week-end passé donc dans les Pyrénées. On aura vibré tous ensemble du contre-la-montre par équipe qui avait été lancé à Artigueloove jusqu'à Lac, cette étape en ligne à Pau, cette étape dangereuse, Pierrefitte, Nestalas et le col du Souloir, et puis cette course ici de moyenne montagne à Lourdes, l'occasion de revoir le classement avec toute l'équipe en régie, le classement de l'étape du jour, Sylvia Zanardi qui s'impose donc devant Coralie Demey et Morgane Coston. On rappelle bien sûr que la quatrième place est prise par Alessia Vigila pour le
team Top Girls, Vassa Bortolo, et la cinquième place pour Christa de Ballycock de l'équipe IF Education, Tipco SVB, Ricarda Borfine est sixième pour la formation Canyon SRAM Generation, Zoé Backstead septième, même formation IF Education, huitième, Selam Amram Guerrefil pour l'équipe du Centre Mondial du Cyclisme l'Éthiopienne, Yulia Biryukova est neuvième pour Arkea Pro Cycling Team, dixième, Camille Failly, Saint-Michel Aubert 93, et on nous confirmerait a priori la quatrième place de Coralie Demey pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93 au classement général. Devant elle, il y a Ricarda Borfine, la meilleure jeune de l'équipe Canyon SRAM Generation qui est troisième. Seconde, Eri Yonamin pour la japonaise de Human Power Hills et l'américaine de l'équipe IF Education Tipco SVB, Christa de Bellicock, qui signe eh bien, le plus beau succès de sa carrière. Elle évoquait déjà que c'était sa plus belle saison jusqu'à aujourd'hui. Bah, ça va continuer, hein, Jennifer, parce que là, franchement, une belle domination. Est-ce qu'on évoquait ça tout à l'heure pendant le direct, ça va peut-être aussi la débloquer pour les prochaines échéances qui arrivent pour elle. C'est ça, on ne sait pas trop encore quel rôle elle avait réellement dans les autres épreuves avec son équipe. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'elle est capable de gagner un général. Physiquement, je pense aussi que c'était la plus forte de son équipe. Elle a montré des choses assez impressionnantes, en tout cas par exemple sur l'étape d'hier en haut du Soulor. Donc peut-être que ça va effectivement donner quelques idées un petit peu à sa direction sportive de lui faire confiance peut-être sur d'autres compétitions et de montrer aussi à ses équipières qu'elle est capable de tenir ce rang de leader et de les emmener tout simplement vers des victoires. Grosse perf de l'équipe américaine IF Education Tipco SVB. J'ai envie de dire, je suis à moitié content parce que je suis déçu qu'on n'ait pas eu de victoire française, mais c'est mérité pour Sylvia Zanardi, l'italienne de la formation Bipping, qui était quand même présente tous les jours, et ça vient récompenser son travail. Oui, complètement, on l'a vu juste piégée sur la deuxième étape. Maintenant, sur l'ensemble du tour, elle a été omniprésente, toujours à l'offensive, donc c'est aussi une victoire qui est méritée. C'est sûr qu'on a vu nos deux françaises vraiment à l'attaque et jusqu'au 500 mètres, hein, on y a cru avant que Morgane Coston se fasse reprendre, mais voilà, c'est quand même bien mérité. Elle était là et on savait qu'elle avait une belle pointe, donc soit il fallait finir seule ou essayer pourquoi pas de la déborder dans les derniers mètres, mais physiquement elle était encore là pour lancer son sprint. Voilà, sur l'étape, on nous confirme actuellement que Ricarda Borfine termine 5e de l'étape et que Christa de Bellicock termine 6e. Voilà pour la modification qui vient d'être réalisée à l'instant. Et on aimerait avoir la confirmation du classement général également, savoir si Coralie Demey est bien à 4e. Est-ce qu'elle a réussi à prendre une petite place sur tout simplement celle qui aura réalisé une très belle course hier, à l'italienne Greta Marturano, qui n'a pas été très présente aujourd'hui. On l'a vu une seule fois à l'image, c'était à l'arrière du peloton, elle a eu un petit souci mécanique. Alors on l'a vu aller chercher un bidon, elle a peut-être profité d'aller chercher un bidon pour régler son vélo ou là. En tout cas, toujours est-il que voilà, c'était la grande absente du jour, Greta Marturano. Voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre chose à analyser aujourd'hui. Une domination de l'équipe IF, une belle performance une nouvelle fois de la formation du Centre Mondial du Cyclisme qui arrive à placer plusieurs filles dans le classement général avec Natalia Franco-Villegas qui serait dans le top 15 pour la concurrente venue d'Argentine. Ça aussi, c'est bien pour l'internationalisation du cyclisme. Non, c'est bien, on voit des filles qui émergent, on voit des filles qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de pouvoir voir dans les classements ou même sur les écrans sur d'autres épreuves internationales. Donc on peut dire que ce tour, il a permis de faire découvrir des nouvelles petites pépites. Cette ligne d'arrivée qui a vu la victoire il y a quelques minutes donc de Sylvia Zanardi qui a remporté cette quatrième et dernière étape ici à Lourdes. C'était la plus longue étape, 115 km 700. La deuxième place qui revient à la Bretonne de l'équipe Saint-Michel Aubert 93, Coralie Demey. La troisième place pour Morgane Coston de l'équipe Arkea Pro Cycling Team. Et la quatrième place, Alessia Vigila pour Top Girls face à
Bortolo et cinquième donc Ricarda Borfain pour l'équipe Canyon SRAM Generation. Et dans quelques instants on devrait avoir eh bien, la réaction de Sylvia Zanardi qui a franchi la ligne en première position et qui vient de conclure cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. Et on devrait avoir dans quelques instants également donc les différentes réactions des unes et des autres, et peut-être Morgane Coston qui aura réalisé une grosse course, puis Jennifer, on va revenir aussi sur cette course en elle-même. On avait un petit peu peur aussi du côté de l'organisation quand on a vu le plateau un peu moins conséquent que ce qui était prévu après le Tour de France et les pertes aussi de certaines équipes. On s'est dit qu'on allait avoir un plateau international, mais avec certaines concurrentes qui n'avaient pas beaucoup de références. Finalement, on a vu quand même un très beau spectacle et des très belles étapes de mouvement tout au long de ces trois jours. Oui, c'est sûr que quand on a vu un petit peu nous aussi la start list arriver, on s'est dit que le niveau allait être un petit peu plus bas que ce qui avait été annoncé à l'origine. Maintenant, finalement, ça a ouvert encore plus les débats, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de course cadenassée vraiment par ces équipes, même si on l'a vu aujourd'hui, ça s'est vraiment décanté et même l'équipe IF a un peu dominé quand même les autres épreuves, mais ça a permis de pouvoir découvrir d'autres filles. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé qu'une Margot Pampanon était à ce niveau-là. Donc ça a permis vraiment de faire découvrir d'autres filles et de nous montrer que bah, finalement, quand c'est un petit peu plus ouvert ou que c'est possible de faire un petit peu plus la course, eh ben, on a finalement, nous concernant, des Françaises qui sont hyper intéressantes. Des Françaises, on le disait, et puis comme on a pu le dire pour Christa de Bellicoque, c'est aussi pour nous et pour le grand public suivi sur Sport en France, sur les différents médias. On rappelle qu'il y a eu aussi des diffusions à l'international sur les antennes de GCN. Mais on a aussi, on le rappelle, l'occasion pour ces filles de se sentir aussi meilleures et de passer un cap. Complètement. Sur certaines courses, forcément, bah, on a besoin d'enquiller un petit peu les jours de course. Certaines filles n'ont peut-être jamais fait trois jours de course à suivre. Donc là, ça leur permet de pouvoir prendre un peu plus de caisse, de prendre des risques aussi sur certaines parties de course. Quand on est avec des World Tour, bah, prendre des risques, hein, c'est quitte ou double, hein, c'est sûr, mais on peut moins se permettre le fait d'attaquer à certains endroits ou de faire les descentes, par exemple, parce qu'elles sont tellement dominantes que bah, le moindre effort qu'on va faire en supplément, bah, on va le payer cash. Voilà ce qu'on peut retenir de ces trois jours, j'ai envie de dire quatre jours, mais non, on a eu deux jours en un vendredi avec la deuxième demi-étape à Pau. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir suivis. On a profité des Pyrénées, on va continuer de profiter de Lourdes tout cet après-midi, ville qui nous a accueillis, ville qui a accueilli l'épilogue, le dénouement de cette première édition du CIC Tour Féminin International des Pyrénées. On remercie bien sûr toutes les équipes de l'organisation autour d'Elisabeth, de Marion et puis également autour des équipes techniques, Régis, Philippe, l'ensemble des cadreurs, l'ensemble des techniciens qui nous ont permis de vous faire vivre cette épreuve. Merci à bientôt en direct. Il y a le Craze Braze Elite Féminin le 25 août prochain. Ce sera en Bretagne. Et puis bien sûr, l'UCI Women's World Tour sera en France, sera en Bretagne. Ce sera à Plouay le 27 août prochain, à suivre sur les antennes de France Télévisions. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Et puis à très bientôt pour le cyclisme féminin. À bientôt, Jennifer. Merci. À bientôt. Au revoir. Parcours de 115 km.